Bon après-midi. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bon après-midi à tous. J'aimerais commencer par remercier la GUE de nous donner la possibilité de faire ces journées. Merci également aux équipes qui ont beaucoup travaillé intensément pour que nous puissions ici tous être présents en train de débattre. Alors également merci à tous ceux qui ont fait un effort aujourd'hui afin de pouvoir venir et pour apprendre, partager, comprendre et puis notamment mener une lutte qui nous mobilise tous. À notre société est en fait soumise à un processus d'ubérisation de l'économie, un processus de précarité qui se transforme en nouveau modèle de relation de travail et qui menace également toute une série de droits qui risquent d'être de disparaître, notamment ce que nous avons pu conquérir au cours de derniers siècles. Nous pourrions parler de ces nouvelles esclavages du XXIe siècle. Évidemment, cet esclavage fonctionne. Cela vaut pour le travail précaire, cela vaut également pour les faux indépendants, cela vaut également pour les nouvelles plateformes qui sont utilisées à l'envi et qui imposent également de nouvelles innovations afin de créer plus de précarité, afin de créer également des failles dans les conditions de travail. Alors, pour pouvoir comprendre la dimension du phénomène auquel nous sommes soumis, c'est que nous devons savoir un peu ce qu'il en est, connaître ces pratiques que nous rencontrons dans les différents pays, et nous devons également les dénoncer devant les institutions. Alors, nous devons, et c'est très important, signaler quels sont les coupables, dire quelles sont les multinationales à l'œuvre, mais également qui est-ce qui autorise ce genre de possibilités avec la crise, notamment de 2008, dont ils ont profité pour imposer un mode de travail précaire, fondamentalement la figure du faux indépendant. C'est ainsi qu'on a pu voir comment ils se sont enrichis à partir de l'empauvrissement chronique de tout un chacun. Seulement ici un chiffre. L'année dernière, les riches dans le monde avaient un capital financier de 12%, alors que les 22% de la population européenne était soumise à la pauvreté. À l'heure actuelle, sur notre continent, il y a plus de 113 millions de pauvres. L'évasion fiscale dans l'Union européenne équivaut à un niveau de 1 000 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas un phénomène isolé. Alors, effectivement, il s'agit ici également d'une sorte de phénomène qui pèse sur les personnes. Ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne les taxis, les travailleurs de Ryanair. Non, il s'agit ici, en fait, d'une imposition de nouveaux modèles de société qui s'appuie ici sur la précarité et qui affecte tout le monde. Sous le faux prétexte de l'économie collaborative, on a en fait des entreprises technologiques qui gravitent en fait dans ce monde-là avec des stratégies semblables et qui imposent en fait un modèle qui s'appuie sur la précarité au travail, l'ingénierie fiscale, afin de cesser de payer des impôts, mais également monopoliser différents secteurs économiques. Voilà donc, voilà ce que c'est l'ubérisation de l'économie. Le dumping fiscal d'un côté, et de l'autre côté, on a également le dumping social pour pouvoir supprimer totalement la concurrence, externaliser les coûts, et puis également ruiner et nier les droits des travailleuses et des travailleurs. Grâce aux millions de dollars de financement de multinationales, comme par exemple le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, et grâce aux stratégies d'illusion fiscale, on a des camarades comme, ou plutôt des entreprises qui ont plus de marge pour faire pression sur les salaires. Je cite notamment Uber, mais c'est au-delà d'une seule entreprise, nous parlons aussi d'un modèle. Ce modèle, lui, est là, existe grâce à la complicité également de formations politiques qui mettent les institutions au service du bénéfice de ces grandes entreprises. Alors ici, nous dénonçons clairement un manque de volonté pour mettre un terme aux paradis fiscaux. Paradis fiscaux qui représentent en fait un fléau qui pèse particulièrement sur le bon fonctionnement des services publics. Ensuite, on a également les portes tournantes, comme on les appelle, notamment en Espagne. Il y a beaucoup de cas à citer d'anciens responsables politiques qui ont maintenant des salaires versés par ces multinationales. Alors ici, ce qui est en jeu, c'est le présent et l'avenir. L'avenir notamment des générations à venir. Il y a ceux qui défendent ce modèle, et puis après, il y a ceux qui souhaitent avoir un modèle de solidarité qui s'appuie sur le paiement professionnel d'impôts avec des services publics de qualité, notamment le respect de la garantie des droits des travailleurs. Cela nous a coûté vraiment beaucoup d'efforts, je parle ici des anciennes générations nous-mêmes, pour pouvoir les obtenir. Nous autres, au sein de la GUE, nous serons toujours évidemment contre les multinationales et qui empiètent sur les droits du travail et qui souhaitent avoir un modèle de travail qui permet d'extraire la richesse des pays
où elles opèrent. Ne souhaitons pas voir un présent ou un avenir où il y a quelques personnes qui contrôlent, qui imposent leurs conditions de l'emploi, avec notamment une régression des droits de tous, et que les riches ne cessent de s'enrichir. Donc pour ces raisons-là, nous pensons qu'il est important de partager cette journée de travail aujourd'hui avec les travailleuses et travailleurs affectés, avec différents groupements, des experts de toute l'Europe, dans ce processus que nous constatons dans différents pays de l'Union européenne. Pas seulement parler ici des nouvelles formes de précarité, mais aussi pour se concentrer sur les luttes, sur quelques victoires, les alternatives qui se dégagent face à ce processus que nous traversons. Voilà, donc maintenant nous pourrions peut-être commencer avec le premier panel, le panel ubérisation, nouvelles formes de précarité. J'aimerais renouveler mes remerciements, merci d'être là. La lutte, elle est collective, elle ne sera pas. Il faut donc continuer de construire ces liens, les entretenir et nous raconter les luttes que nous menons dans chacun de nos pays. Alors la lutte, elle est collective, elle ne sera pas. Alors nous passons maintenant au premier panel et je passe la parole à ma voisine. Merci Idoya. Je voudrais à mon tour rapidement remercier l'ensemble des participants qui sont présents ici et puis bien sûr Idoya Villanueva de Podemos qui est à l'initiative donc de cette initiative qu'on a organisée avec donc évidemment Idoya de Podemos, également José Guzmão qui est à sa droite et qui intervient également dans la première interviendra dans la première table ronde, qui est un député portugais du Bloco de Esquerda, et donc moi-même donc Leila Chebbi de la France Insoumise. Je voudrais saluer la présence aussi et les remercier pour leur participation de deux collègues que je vois dans la salle, Anne-Sophie Pelletier de la France Insoumise et Elena Kuntoura, députée grecque de Syriza, qui est présente parmi nous. Alors cet après-midi donc on va avoir trois tables rondes dans cette conférence. Et cette conférence, c'est une partie du forum transnational des alternatives à l'ubérisation, un forum qui a démarré hier et sur lequel on a donc la chance d'avoir la participation. Ils sont présents dans cette salle aujourd'hui, des principaux concernés sur les questions d'ubérisation. On a 80 personnes qui nous viennent d'Espagne, du Royaume-Uni, d'Autriche, de France, de Belgique, d'Italie, j'en oublie, d'Argentine, des États-Unis également, des livreurs à vélo, des taxis, des salariés de Ryanair, et en fait qui ont commencé déjà dès hier après-midi à profiter de cette occasion, de cette conférence de cet après-midi pour organiser une assemblée. On a eu une rencontre tout à l'heure avec les représentants de la Commission européenne pendant laquelle des délégations de chacun des collectifs ont pu faire part de leur quotidien et de leurs revendications et de ce qu'ils attendaient en termes de débouchés législatifs auprès de la Commission. Bon, on va revenir hein, sur ces échanges qui ont eu lieu. Mais voilà, donc on est plus qu'une conférence dans l'entre-soi du Parlement européen, dans les murs de l'institution du Parlement européen, mais on est vraiment, et c'est aussi la démarche qui est celle de notre groupe, je peux le dire ici, le groupe de la gauche unitaire européenne, de faire les choses avec les principaux concernés, de casser les murs qui peuvent être des fois très très solides, qu'il y a entre des institutions européennes qui paraissent souvent éloignées et la société civile. Alors donc, comme je vous disais, il va y avoir trois tables rondes cet après-midi, les deux premières. La première est la plus courte. Sur la première, donc, on va s'interroger sur qu'est-ce que ça constitue, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est que l'ubérisation, de façon très concrète au sein de l'Union européenne. Alors, pour cette table ronde, il y a sur cette tribune d'abord une personne qui n'est pas là, qui aurait dû être là, mais peut-être que vous le savez, les Français doivent forcément le savoir, mais les autres peut-être pas. En France, on connaît actuellement un mouvement social important qui fait que pour les trains, c'est un petit peu compliqué de venir. Et donc, malheureusement, Sarah Abdelnour, qui est une chercheuse en sociologie spécialiste de l'ubérisation, ne sera pas parmi nous lors de cette table ronde. Mais j'ai le plaisir d'accueillir... Je ne vais pas écorcher les prénoms. Donc, on a tout à gauche Sergi Cutillas,
Sergi Cutillas, qui est économiste. J'ai à ma gauche Karim Asnoun. Là, je peux le dire, je le connais mieux parce qu'il est de chez nous, il est de France, il est de la CGT Taxi. Donc à ma droite, Idoya, on ne la présente plus. José Guzmão, que j'ai déjà présenté, donc qui est un collègue eurodéputé du Portugal, du Bloco de Esquerda. On a Maria da Paz Campo Lima, qui est sociologue. Ensuite, nous avons Felipe Corador, qui est à la fois un livreur, un coursier à vélo, mais qui est également psychologue social et qui travaille au ministère du Travail au Portugal. Et puis on a... pardon, excusez-moi, je m'embrouille les pinceaux. Là. Oui, ah ça, qui est psychologue social. Tout court. À sa droite, excusez-moi, c'est la course depuis hier. On devient folle. Bon. Et Ricardo Santa Moreira, qui est chercheur et qui travaille au ministère du Travail au Portugal. Voilà. Alors donc pour cette table ronde, comme je vous le disais, on va réfléchir sur ce que ça veut dire l'ubérisation. Un terme qu'on emploie toujours régulièrement à côté du terme économie des plateformes numériques. On emploie également le terme de gig economy, pour reprendre un anglicisme, mais on parle beaucoup anglais ici à l'Union européenne. Et à chaque fois, en tout cas, ça renvoie à un secteur qui est récent, qui est basé sur l'utilisation de plateformes numériques. Quand on pense à l'ubérisation, on pense également à une nouvelle forme d'emploi qui a été développée ces dernières années, à un modèle de travail précaire, comme l'a rappelé Idoya, qui se situe en deçà des normes sociales et fiscales existantes. L'ubérisation, c'est un travail à la tâche. On est en dehors du salariat, avec des protections qui... On n'a pas le salariat avec les protections qui sont liées au salariat classique. Toujours avec cette promesse de monter sa propre entreprise, d'être autonome et de pouvoir s'enrichir. Le langage, le design des applications qu'il y a sur les téléphones et l'effet de nouveauté, en fait, ça sert toujours un projet qui est peu reluisant. On va le voir, je pense, avec nos intervenants et puis lors de cet après-midi. Ce projet, qui est une bataille économique entre les plateformes, une recherche constante d'un maximum de profit sur le dos des travailleurs, sur le dos des citoyens. L'innovation de l'économie par le numérique est inséparable d'un retour en arrière en termes de conditions de travail. Avec l'ubérisation, innovation numérique rime avec régression sociale. Donc c'est donc un paradoxe, un affichage d'une nouveauté, de quelque chose de très moderne, avec en fait un retour au travail à la tâche du 19e siècle. Je ne vais pas être plus long plus que ça lors de cette introduction, mais je vais passer d'abord la parole à Sergi Cutillas. Sergi Cutillas, c'est quoi l'ubérisation aujourd'hui ? Muchas gracias. Merci. Et merci de cette invitation. Pour remettre les choses dans leur contexte sur ce sujet de l'ubérisation, je voudrais remonter aux années 70. Les années 70 ont connu un changement qui est important à mon avis, fondamental même, pour comprendre la situation d'aujourd'hui. Au début de cette décennie, c'est un pacte social international qui fonctionnait et qui remontait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui régissait les relations commerciales et financières au niveau international entre les États. Et ceci se base sur le rôle des États au niveau interne en tant que gestionnaire du cycle économique, en réglementant les finances et en utilisant l'espace public pour gérer, comme je le disais, le cycle économique et conditionner ce cycle en faveur de l'économie. Et pour cela, il était nécessaire de mettre au point des prix et d'établir un dialogue social pour fixer des salaires qui... finalement, sont l'aspect fondamental de la formation des prix. Donc, si vous voulez, il y avait un pacte entre le capital et le travail. Et ceci, en fait, c'est l'époque de l'état de bien-être et c'est le capitalisme
qui a des aspects critiquables, mais c'est l'époque en or pour le capitalisme, comme on l'appelle. Lors de cette décennie, au début de cette décennie, ce pacte est rompu. Au début de la décennie, il y a un événement qui se produit. C'est la suspension de l'étalon or au moment de Nixon. Et donc ce pacte international est venu à son terme et, d'une certaine manière, cette régulation financière internationale, cet échange du dollar et de l'or qui garantissait la base de ce système, en fait, c'est terminé. On en vient à un scénario que l'on appelle la financialisation, c'est-à-dire qu'il y a une régulation des finances, de la libre circulation du capital. Enfin, je simplifie beaucoup, hein, mais c'est un nouveau système financier qui commence, qui se fonde également sur ce que l'on peut appeler en fait l'élément fiduciaire. C'est la banque centrale qui émet de la monnaie sans que cela soit lié à l'or, par exemple. En même temps, il y a la crise du pétrole en 73, et ensuite il y a une deuxième crise. Alors, d'un côté, il y a ce que je vous ai dit, ce que j'ai expliqué. Et puis, deuxième aspect, la crise du pétrole, qui amène de l'inflation. Avec l'augmentation des prix du pétrole, l'inflation repart. Et ceci provoque une attaque profonde au modèle dont je vous parlais. Il y a une théorie qui prend de l'importance et qui est en faveur du fait que l'État n'intervienne pas dans l'économie. Parce que ce que l'on dit, c'est que ce qui a généré cette inflation, eh bien, c'est l'intervention de l'État qui gérait le cycle économique depuis 30 ans, comme je vous le disais. Donc, on critique en fait les dépenses publiques et l'intervention de l'État dans l'économie pour qu'il y ait ce consensus minimum dans le pays. Alors ceci est faux. Cette critique n'est pas fondée parce que ce qui a produit l'inflation dans les années 70, c'est un facteur extérieur. C'est l'augmentation du prix du pétrole. Et c'est une matière première très importante pour l'économie. Et cela a eu des répercussions dans différentes dimensions de l'économie. Mais ce n'est pas pour un excès de dépenses publiques. Et ce n'est pas non plus à cause de l'augmentation des salaires. Donc, je suis remontée jusque-là parce que c'est le péché originel, si vous voulez. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à réguler l'économie, on nous a fait croire que le marché libre, le libre marché et la déréglementation, la dérégulation de l'économie est ce que l'on doit encourager, stimuler. Et les 40 dernières années, en fait, nous ont amené au moment actuel. Alors, je me suis un peu étendue sur l'aspect historique, mais ce que je voudrais dire, c'est que l'élément central qui nous a amené jusqu'ici, c'est que lorsque cette mobilité internationale du capital, la libre circulation du capital, arrive à une expression maximum, à savoir l'ubérisation, qui permet au capital d'aller où il veut, et on finalement conditionne les entreprises par le biais des algorithmes, et je pense qu'il est important que dans une réunion comme celle d'aujourd'hui, on souligne le fait qu'il y a des droits pour les travailleurs. Le capital doit être réglementé. On ne peut pas permettre une libre circulation comme cela a été le cas au cours des derniers temps. Nous avons besoin d'un nouveau syndicalisme et d'un nouveau mouvement qui lutte contre l'ubérisation.
C'est pour cela que nous sommes ici. Merci, Sergi. Bonjour, cher Sergi. J'ai oublié de saluer, quand je salue la présence des européens députés tout à l'heure dans la salle, j'ai oublié Fernando qui est en face de moi, Fernando Barrena, député du Pays Basque. Merci de ta participation. Je passe désormais la parole à Karim Asnoun de la CGT Taxi. Donc, merci effectivement à Leïla pour l'invitation. Ça a l'air d'être compliqué, les accréditations pour que les citoyens puissent rentrer au Parlement européen. Donc merci pour cet effort. Alors, concernant le secteur du taxi, on a effectivement été très vite confronté de manière indirecte à l'aboutissement de ces multinationales. Le terme plateforme, je trouve que ça enlève un petit peu de sens en fait à ce que sont véritablement ces sociétés. Ce sont des sociétés prédatrices qui sont l'aboutissement du système capitaliste. Comme l'a expliqué un petit peu Sergio, je vais continuer un peu dans ce sens-là. Elles sont devenues des sociétés qui se sentent au-dessus des États. Au-dessus des États, elles ne sont pas vraiment américaines, elles sont un peu au-dessus de ces pays-là. Et on en paye tous les conséquences, puisque elles ne souhaitent pas participer socialement, fiscalement, dans les sociétés où elles s'implantent. L'autre conséquence de cette espèce de statut où elles se sentent un petit peu intouchables, c'est qu'elles ne respectent pas les législations qui sont en place, que ce soit les législations du travail, mais aussi les législations existantes, par exemple comme celle des taxis. Le taxi dans tous les pays du monde est un secteur régulé, puisque nous occupons la voie publique, nous transportons des personnes dans un espace confiné, donc il y a des questions de sécurité, puis il y a des questions d'équilibre économique. Dans tous les pays étaient arrivés à la même conclusion qu'il fallait de la régulation dans ce secteur pour qu'à la fois les chauffeurs puissent en vivre dignement, et ça restait quand même des métiers difficiles, mais pour qu'aussi il n'y ait pas de problème de sécurité et pour que la voie publique ne soit pas engorgée. L'émergence de cette déréglementation, parce que j'utiliserai pas le terme ubérisation, c'est leur faire trop d'honneur, ça n'est pas pour nous un modèle, non. Donc cette déréglementation à tous les niveaux, nous avons tenté de l'alerter, mais on a été taxé de corporatiste. Mais aujourd'hui, le constat est sans appel. Au niveau de la régression sociale, bien sûr que le fait de mettre un nombre incalculable et illimité de véhicules en face des taxis a contribué à appauvrir tout le monde. Leurs propres chauffeurs, les chauffeurs donc de ce qu'on appelle en France les VTC, se plaignent également. Ils se sont très vite précarisés. En 2014, donc il n'y a pas si longtemps, il y a 5 ans, quand vous regardiez les médias français qui vous montraient le VTC, ils vous montraient toujours un chauffeur en costume, avec la cravate, en train de laver sa voiture. Vous les voyez aujourd'hui, les pauvres, ils avouent eux-mêmes ne plus pouvoir se payer le pressing, ils sont en jogging, ils n'arrivent plus à réparer leurs voitures, qui ne sont d'ailleurs pas leurs voitures, qui sont souvent en location, ils n'arrivent plus à en vivre. Et bien sûr, encore une fois, cela a eu un impact fort sur le taxi, puisqu'on ne peut pas multiplier indéfiniment, le nombre d'acteurs, parce que le gâteau n'est pas extensible. Le deuxième impact, qui vient d'être démontré aujourd'hui par une ONG qui siège ici à Bruxelles, l'ONG Transport et Environnement, c'est l'impact environnemental. Car bien sûr, augmenter un nombre de voitures, de rajouter, pour prendre l'exemple parisien, 10 000, 20 000, 30 000 voitures, 40 000 voitures, ça a un impact écologique. Et une étude aujourd'hui vient de démontrer qu'à Londres et à Paris, l'augmentation de ce nombre de véhicules participait à l'engorgement de ces villes et bien sûr à l'augmentation de la pollution. La corrélation a été établie. Dans des villes américaines, San Francisco par exemple, il a été également démontré que les utilisateurs de ces plateformes avaient parfois fait ce choix d'un transport particulier, au détriment de l'utilisation des services publics. Donc, on voit bien que là aussi, il y a une question sociétale, environnementale, qui est importante. Alors, pour finir, parce que je crois que j'ai atteint ma limite et je sens le regard de Leïla impitoyable, pour dire au final, c'est que cette libéralisation, c'est le propre du capitalisme, c'est le propre d'Uber. Moi, je n'attends rien d'eux. C'est leur but, c'est de
de faire des profits. Par contre, au niveau des États, malheureusement, on se doit effectivement de dénoncer, en tout cas en France, un État complice, un État qui a soutenu ces plateformes sans raison valable. Et donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, que ce soit au niveau social, au niveau environnemental, ça n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, et je finirai avec ça, on a bien sûr des problèmes sécuritaires, puisque la mise sur le marché de nombreux véhicules par une absence de régulateur, une absence de régulation des États, amène aujourd'hui des chauffeurs dans ces véhicules dont on ne maîtrise plus l'identité. La ville de Londres, peut-être vous ne le savez pas, vient aujourd'hui d'interdire l'exercice d'Uber à Londres, car ils ont fait une étude et il y avait de nombreuses infractions. Uber n'était pas en capacité de garantir l'identité du chauffeur qui était dans la voiture. Donc même en France aujourd'hui, on a un hashtag Uber c'est over, où de nombreuses femmes essentiellement se plaignent d'agressions sexuelles dans des véhicules Uber. Donc pour toutes ces raisons, ça nous semble évident qu'il faut balayer ce modèle, qu'il faut revenir à un secteur régulé, quel qu'il soit, que ce soit les cyclistes, etc. Mais ces plateformes n'ont pas à prendre la main sur nos États et les initiatives comme celle d'aujourd'hui sont là pour le rappeler. Merci Karim. Maintenant, Maria da Paz Campo, Lima. Boa tarde, vou falar português. Bonjour, je vais parler portugais. C'est bien que nous utilisions nos langues maternelles et que nous puissions construire un avenir commun à partir de différentes expériences. Lorsque l'on parle d'ubérisation, nous parlons d'un cas extrême de précarisation, au moins dans cette conception initiale, dans la propagande qui a été faite pour l'ubérisation comme lieu de rencontre entre clients et prestataires de services, facilité par des plateformes en pointe du point de vue technologique. Cette vision était une vision, en fait, qui était un rêve néolibéral extrême. Il n'y avait pas de responsabilité pour les employeurs, il n'y avait pas de responsabilité de protection sociale, aucune protection. Donc, la tentative a été, dans différents pays, certains pays ont été allés plus loin que d'autres, une espèce de laisser-faire, de laisser-passer, la régulation par le marché et donc une situation d'érosion complète des droits du travail. Il est important de souligner que tout le débat autour de l'ubérisation à un certain moment a été un débat sur les nouvelles formes d'emploi. Donc on disait qu'il y a des travailleurs avec un contrat de travail, des contrats standards, que ce soit par le biais d'un agent d'une agence de travail temporaire ou pas, et puis les travailleurs indépendants. Et il y a quelque chose en fait à mi-chemin qui était un travailleur indépendant mais économiquement dépendant. Et là apparaît une troisième figure, si vous voulez. Il y a un appauvrissement et une fragmentation du statut des travailleurs avec une précarisation croissante. Dans le cas portugais, par exemple, la transposition de la directive ou de la recommandation sur Uber pour le transport individuel de passagers est tout à fait ambiguë et elle permet que le conducteur d'Uber peut être un travailleur indépendant, un salarié, un travailleur indépendant mais dépendant économiquement. Donc, si vous voulez, cela permet en fait toutes sortes de formats et il n'y a pas de responsabilité qui est octroyée à Uber en tant qu'entreprise, en tant qu'entité. Uber n'a pas de responsabilité sociale ou en ce qui concerne la protection sociale. Donc, le problème qui se pose n'est pas simplement un problème de législation et un problème de définition de règles du point de vue législatif, mais c'est un problème également de pratiques sociales et de la manière dont la pression sociale ou
peut amener une dynamique. Alors, je recommande à tous de voir le dernier film de Ken Loach, qui est un bon exemple de ce type de contrat et d'ubérisation au Royaume-Uni. Et le problème est justement là. Après une crise internationale qui a réduit l'emploi dans tous les pays, qui a vu une augmentation du chômage, les nouveaux emplois qui se créent, les nouveaux emplois qui sont offerts sont des emplois qui se trouvent dans ce type de conditions, que ce soit dans le transport individuel de passagers ou que ce soit à Deliveroo ou à d'autres formes de livraison ou d'autres prestations de services. Donc, c'est un modèle qui s'impose dans un contexte social et un contexte de crise en matière d'offre d'emploi. Et c'est un modèle qui, jusqu'à présent, du point de vue européen, n'a pas fait l'objet de réflexion, n'a pas été considéré au-delà du fait que Uber est considéré comme une entreprise de transport. Mais dans la pratique, dans les pays, la concrétisation, en fait, est telle qu'il n'y a aucune responsabilité du point de vue social ou du point de vue du travail. Alors, pour terminer, je dirais que c'est le cas extrême de la précarisation, l'ubérisation, parce qu'il y a des travailleurs qui peuvent commencer à avoir certains droits. Dans la législation portugaise, il y a certains droits en ce qui concerne la protection sociale, mais les droits d'organisation syndicale, le droit de grève, les droits de convention collective qui permettent vraiment de structurer les choses et de permettre d'avoir des conditions de vie et de travail dignes n'existent pas. Donc je pense qu'il est important de ne pas accepter cela et que nous envisagions la manière de dépasser cette dichotomie entre travailleurs qui ont un contrat de travail avec des conditions correctes et d'autres figures ou d'autres situations de personnes qui peuvent peut-être avoir quelques éléments de protection sociale ou d'autres, mais dont on prive, mais qu'on prive en fait d'éléments essentiels de représentation syndicale et ils n'ont pas voix au chapitre, et ça c'est absolument fondamental. Donc, c'est un problème pour les coursiers de Uber, mais pour tout autre travailleur. Merci. À la droite de Maria, donc nous avons Felipe Corredor, qui vient d'Espagne, qui a travaillé en tant que coursier à vélo, qui est toujours, comme son t-shirt l'indique, membre du collectif Riders por Derecho. Et qui, par ailleurs, est sociologue. Bueno, muchas gracias. Merci. Alors, je vais reprendre l'introduction qui avait été faite. Ah, en fait, nous sommes passés à une sorte de type d'État-providence, à une sorte d'État où il y a une perte de droits, mais également de souplesse. Le bien-être, lui, avait été créé partiellement grâce à la pression de la classe des travailleurs en pleine révolte, mais ce n'était pas à cause ou grâce à la préoccupation des intéressés pour le sort des travailleurs. Avec tout cela, nous avons pu obtenir un salaire minimum. On a également pu obtenir certains acquis, notamment comme les congés payés. Ce sont trois éléments qui sont très importants. Alors, nous devons nous poser la question suivante. Comment nous sommes passés de la peur à l'État-providence, à la permission, l'acceptation de ce qui se passe dans la société. Voilà, ici, il y a beaucoup de raisons. Alors, ça, je l'ai déjà dit, mais j'aimerais également souligner un, c'est que c'est un travail qui s'est fait au niveau psychosocial, avec notamment une croissance du discours qui porte sur la souplesse. Alors, on travaille sur la subjectivité, alors ce n'est pas contraire à l'objectivité. Alors effectivement, comme personne, comme société, il est important que nous puissions nous rendre compte de tout cela, comprendre ce qui se passe. Alors la subjectivité,
la manière dont nous sommes formés à l'heure actuelle. Nous sommes dans une phase d'individualisme. Et la manière dont nous nous comportons, nous comprenons et comment nous exerçons les relations de travail. Nous pensons que nous ne sommes pas des salariés, mais que nous sommes des entrepreneurs, que nous sommes des indépendants sans autonomie, sans aucun type de contrôle. Les conditions de travail, elles sont imposées. Et par exemple, pour les salaires, il y a notamment ce qui se voit en Espagne, où il y a une augmentation constante des indépendants. Alors, le travail dans la société, c'est l'accès à des moyens de vie, notamment la reconnaissance, entre autres. Alors, ce n'est pas comme dans un restaurant, où si... il n'y a pas de demande, mais tu t'en vas. Mais en fait, ici, c'est en fait une interaction économique pour la survie. Alors, effectivement, nous devons ici avoir une forte réglementation par l'État, sous le regard tentatif des associations, mais également des restes des acteurs. Parce que sinon, on a vu que les entreprises, elles, vont abuser des travailleurs. En plus de tout cela, on a également la souplesse, on a donc la subjectivité, mais il y a également un autre élément qui est bien plus important aussi, qui fait que nous ne devons pas oublier comment fonctionnent ces travaux, ces emplois, etc. Alors en fait, on a des caractéristiques communes qui se dégagent. Alors en fait, on a l'algorithme, on a également les travailleurs qui sont des collaborateurs. Ensuite, troisièmement, ils n'ont pas des horaires fixes, cela change chaque semaine. Quatrièmement, ces tours de travail sont en fonction du rendement. Cinquièmement, on ne sait jamais si on va parvenir à la fin du mois ou pas. Sixièmement, il y a également une compétitivité, quelque chose qui rend plus difficile les liens, notamment les liens syndicaux. Sept, les gens travaillent sans repos, avec notamment violation de leur intégrité physique. Après, il y a également la violence intériorisée de l'algorithme. Alors, les travailleurs d'Amazon, dans les entrepôts, ne peuvent pas aller aux toilettes. Pas parce qu'on leur interdit, mais parce qu'à ce moment-là, ça a des conséquences sur leur salaire, mais également le risque d'avoir des horaires plus difficiles la semaine d'après. Alors, pour ce qui est d'autres entreprises, on peut y aller. À Lidl, on peut aller aux toilettes, mais dans des temps morts, et ce n'est pas des moments payés. En général, il faut y aller en courant, avec notamment des conséquences tragiques, comme le cas qu'on avait déjà constaté à Barcelone, et d'autres cas qu'on peut également constater dans le monde. 9. L'entreprise nie catégoriquement qu'elle a un niveau de contrôle sur les travailleurs, mais 10, et ça c'est la surprise, c'est que cette entreprise, elle, organise les heures de travail pour la semaine d'après, modifie les rythmes de travail, peut également déconnecter quelqu'un, peut également renvoyer quelqu'un de manière impunie. À l'époque de Tyler, dans les entreprises, dans les usines, eh bien, enfin, ça a fonctionné assez militaire, avec notamment une association directe, et les travailleurs ne pouvaient pas en fait s'échapper. Dans ce modèle maintenant de flexibilité, nous autres, nous portons nous-mêmes le fouet, nous ne nous glissons pas entre les mailles du filet parce que nous sommes nos propres chefs, nous faisons en sorte qu'on nous porte à notre limite, après on se sent coupable si on n'a pas suffisamment d'heures la semaine suivante, alors que ce n'est pas notre faute à nous. Nous, en fait, la faute est celle de l'État, mais également de l'ensemble de la société qui autorise ce genre de choses. Alors, pour mon travail Deliveroo, dans mon cas, c'était en fait un modèle de travail flexible. Alors, nous croyons que nous sommes des micro-entrepreneurs, et en fait, nous sommes soumis à la grande entreprise, mais on ne saura pas vraiment quelles seront les heures que nous aurons la semaine prochaine, mais on sait qu'à un moment ou un autre, ils peuvent nous renvoyer. En fond, tout ceci, ce sont des manœuvres illégales. On souhaite optimiser les bénéfices, on ne souhaite pas rétribuer la main-d'œuvre de manière digne, et on ne souhaite pas assumer les responsabilités qu'on doit avoir par rapport à ses employés. Et je crois ici que fondamentalement, ce n'est pas tant de la souplesse en tant que telle. Il y a à l'heure actuelle des modèles en Espagne, en tout cas ici en Espagne, il existe une certaine souplesse pour ce qui est des contrats à temps partiel. C'est ce que cela permet, c'est en fin de compte d'économiser de l'argent. Parce que les entreprises économisent de l'argent, alors que cet argent devrait être utilisé pour les services sociaux, mais également pour les droits des travailleurs. Alors, effectivement, on l'a dit, cette souplesse, ce n'est pas l'avenir du travail, c'est en fait le passé, c'est le modèle de travail qui remonte au 19e siècle, qui était très souple. On t'appelait quand on avait besoin de toi, on te payait ce que tu voulais, et puis si on n'avait pas besoin de toi, eh bien, tout simplement, il n'y avait pas d'argent. Alors, fondamentalement, on ne devrait pas autoriser tout cela. On devrait
autoriser justement une pleine existence de l'État-providence, qu'on n'aurait pas autorisé le phénomène des travailleurs qui n'ont pas du tout de sécurité, qu'il y a augmentation des écarts entre les différentes classes, qu'on travaille également dans des endroits dangereux, dans des conditions dangereuses, et que nous ne puissions pas planifier notre vie, que nous mourions à cause d'hamburgers, et que nous devions également y aller de notre poche pour permettre l'enrichissement d'autrui. Merci beaucoup. Muchas gracias. Et maintenant, l'avant-dernier intervenant de cette première table ronde, c'est Ricardo Santana Moreira, qui vient du Portugal et donc qui travaille au ministère du Travail portugais. Olá a todos e a todas. Bonjour à tous. Je travaille au ministère du Travail. J'ai milité en fait pendant très longtemps dans une organisation de lutte contre le travail flexible et pour défendre en fait les faux indépendants. Je voudrais dire que il y a eu un boom du tourisme au Portugal et cela a amené toute une série d'entreprises comme Uber, comme Airbnb, etc. Et cela a changé les choses. Pour la précarité, je voudrais dire une chose. Au Portugal, nous avons quelque chose qui nous avons depuis 30 ans. C'est le faux reçu vert, à savoir les faux indépendants. Et à peu près 20% de la population portugaise travaillait justement comme faux indépendants pendant plus de 30 ans. Alors nous avons essayé en fait de résoudre cela grâce à la législation et de lutter contre l'ubérisation. Alors ce que nous pouvons dire, c'est que la précarité sans congé de maternité, sans week-end, sans congé payé, etc. Et le résultat de tout cela, eh bien, c'est qu'il y a une génération qui finalement en fait n'a pas de lien avec l'État social. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu en fait de congés payés, donc ils ne sont pas liés à l'État social, ils ne se sentent pas liés à l'État social. Donc il y a toujours une préoccupation, il y a un paradoxe que j'identifie toujours avec ce problème d'ubérisation du travail. Lorsque, par exemple, j'achète un livre sur Amazon, immédiatement, l'algorithme sait ce que j'aime, donc il peut me proposer des produits qui correspondent à ce que je veux. Finalement, ils savent plus sur moi que ma famille. Nous savons tous sur ce qu'il en est, la personnalité des consommateurs. Nous savons quel est l'âge, quelle est la famille, le site du GPS. L'algorithme sait tout de ma vie. Mais est-ce que si nous savons tout sur le consommateur, je ne comprends pas pourquoi nous ne savons rien. Nous ne savons rien sur ceux qui travaillent chez Uber ou sur dans toutes ces entreprises. Au Portugal, nous ne savons pas combien ils sont. Nous ne savons pas combien ils gagnent. Nous ne savons pas si ce sont des hommes, si ce sont des femmes. Nous ne savons rien. L'État portugais n'a aucune information sur ces personnes qui travaillent dans ces plateformes. Et si nous ne savons rien d'eux, on ne peut pas les protéger du point de vue social. On ne peut pas les protéger de maladies, en cas de maternité, d'accident du travail. Ce que nous savons, c'est que la législation du travail, en fait, n'est pas appliquée à ce type de travailleurs. On peut simplement renvoyer une personne parce que son évaluation, en fait, a baissé. Et nous ne savons pas, en fait, à qui cela concerne. Alors, si l'État ne les connaît pas, je dirais qu'eux-mêmes ne se connaissent pas les uns les autres. Puisqu'ils ne se connaissent pas entre eux, ils ne peuvent pas mener une lutte ensemble. Et ils ne peuvent pas se syndicaliser, ils n'ont pas de représentation au Portugal. Il y a très peu de grèves des travailleurs dans la plateforme. Il y en a une récemment aux États-Unis au mois de mai. Et parmi les milliers de personnes qui travaillaient chez Uber, il n'y a eu qu'une centaine qui ont pu faire cette grève, ce qui est en fait incroyable. Donc il y a beaucoup de craintes, ils n'ont pas eu le courage en fait. Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'au Portugal, la situation est particulièrement grave, parce que ça fait 30 ans que nous avons de faux indépendants. Alors maintenant, il y a l'ubérisation du travail. Et ce que nous disent les données, il y a l'étude Colim qui dit que 10% de la population au Portugal travaille par le biais des plateformes, ce qui veut dire que nous sommes dans une situation très mauvaise parce que ces personnes n'apparaissent pas dans des statistiques officielles du gouvernement. Et donc,
Nous ne savons rien sur ces personnes. Et je voudrais terminer en disant, en fait, des choses qui sont peut-être évidentes. Les travailleurs des plateformes sont des travailleurs. Et c'est évident. Et si nous sommes d'accord là-dessus, et c'est absolument évident, cela veut dire que les travailleurs des plateformes doivent avoir un salaire minimum, les travailleurs de plateformes doivent avoir des congés, doivent avoir des week-ends, doivent avoir des allocations chômage, et ils ne doivent pas être dans cet état de précarité. Et si nous sommes d'accord, eh bien, nous devons agir. Et il faut réglementer l'économie de partage. Merci. Pour clôturer cette première table ronde, je passe la parole à José Guzmão, mon collègue José Guzmão, qui est député portugais du Bloco de Esquerda. Très rapidement, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit par les intervenants précédents. La fable de l'économie de partage se fonde sur trois idées. Les entreprises qui contrôlent essaient de faire passer ces idées à tout prix. Première idée, il s'agit d'entreprises qui sont très novatrices, visionnaires, révolutionnaires, alors qu'en fait, lorsque nous parlons d'Uber, il s'agit d'une entreprise qui en fait fait une application de portable. Et en fait, il y a des lobbies pour arriver à leur fin. En réalité, le modèle d'affaires de ces entreprises, et je parle en particulier du cas Uber, qui est celui qui a été le plus discuté au Portugal, le modèle d'affaires de ces entreprises est un modèle qui se fonde sur l'évasion réglementaire, fiscale et du travail, c'est-à-dire que on supprime tous les coûts qui sont liés aux droits des travailleurs et aux obligations fiscales que toutes les autres entreprises, enfin peut-être pas toutes, mais la majeure partie des entreprises doivent assumer. Et donc, c'est un modèle qui présuppose la suppression de tous les droits des travailleurs qui travaillent pour ces entreprises, mais c'est une concurrence déloyale également par rapport à d'autres entreprises qui opère dans ces secteurs également. Deuxième élément, l'idée, c'est qu'une entreprise comme Uber, qui contrôle toutes les conditions des services assurés par un travailleur, qui définit les prix, la rémunération des travailleurs, qui classe ces travailleurs, qui lui attribue des comptes, et c'est très important du point de vue, c'est très important. En fait, cette entreprise n'est pas le patron du travailleur. Et troisième élément, qui relève un peu d'Alice au Pays des Merveilles, hein. Pour expliquer ce que fait Uber, et pour dire que ce n'est pas de la concurrence déloyale, pour pouvoir pratiquer des prix que les entreprises qui respectent la loi ne peuvent pas pratiquer, il faut que les autorités disent que ce que fait Uber, ce n'est pas la même chose que ce que font les autres entreprises et donc ne doivent pas respecter les mêmes règles. Et par exemple, le représentant d'Uber au Portugal dit « Mais Uber n'assure pas des services de transport. » Et le ministre de l'Environnement du gouvernement précédent a répondu « Uber, c'est une chose, un taxi, c'est autre chose. » Et toutes ces théories, en fait, commencent à tomber hein, dans les pays parce qu'il y a de plus en plus des décisions politiques et judiciaires qui disent qu'en fait, une pomme est une pomme hein, et ce n'est pas une orange. Mais il y a tout un travail qui doit être fait pour arriver au niveau national de faire ce qui est normal, c'est-à-dire que tous les régimes de travail social et fiscal doivent s'appliquer à toutes les entreprises. Et nous étions avec les représentants du mouvement, avec un représentant de la commission. Et là, nous avons entendu la représentante de la DG Concurrence
qui est peut-être la DG concurrence la plus forte, la DG la plus importante de la Commission, nous dire mais en fait, les effets sont très limités, malheureusement, ils ne peuvent rien faire. Ils commencent à s'intéresser à cette affaire et ils vont réunir une série d'experts pour se pencher sur la question. Donc, le travail qui a été fait par ce mouvement et la qualité des interventions qui ont été faites était frappante et il faut absolument que nous étendions ce mouvement à toute l'Europe afin que nous ayons en fait des lois qui puissent protéger les travailleurs de ces plateformes et qu'ils aient les mêmes droits. On va pas ouvrir de tour de parole sur cette première table ronde. On en ouvrira un sur la deuxième table ronde qui concerne les luttes et les alternatives à l'ubérisation parce qu'on a pris un petit peu de retard. Merci à tous les intervenants, à toutes les intervenantes. Et la deuxième table ronde donc va être animée par Idoia Villanueva. En attendant qu'Idoia arrive, je vous précise qu'il y a une étude qui a été rédigée par Anne Dufresne, ici présente, pour le Grésea, qu'on a mis sur les tables là à l'entrée. Peut-être que les premiers arrivés dans la salle ne l'avaient pas vue, mais vous pouvez vous la procurer. C'est une étude sur l'ubérisation autour de la Fédération transnationale des coursiers. Elle est en français et en anglais, donc n'hésitez pas à la prendre. On va mettre les...
Bueno. Continuamos. Nous poursuivons. Alors, j'aimerais commencer par vous rappeler ceci. Le programme des panels d'aujourd'hui se trouve à l'entrée. On va les distribuer, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez ainsi suivre qui est-ce qui va parler. Et le programme ici, on le trouve à l'entrée. Ainsi, vous pouvez tous en prendre un exemplaire si vous le souhaitez. Nous poursuivons. Alors, nous avons un peu de retard. Ce que nous allons faire dans ce panel, c'est que nous allons également essayer d'ouvrir le débat à tous afin que nous puissions avoir un bref échange de vues, que nous puissions discuter entre nous et également poser des questions. Bon, alors je crois que le premier panel a permis de montrer ce qu'il en est de l'économie de plateforme, comment cela autorise en fait des formes, le retour des formes les plus anciennes d'exploitation, comme par exemple le travail informel, journalier, avec notamment les problèmes syndicaux que cela pose. C'est quelque chose qui s'implante désormais. Et pour pouvoir obtenir véritablement un avenir et que nous puissions également trouver une solution, ce qui est fondamental, ce qui est important, c'est que l'on puisse mener une lutte, ce que vous faites, vous, dans toutes les associations qui sont les vôtres, dans les différents pays. On parle dans ce panel de lutte, mais également de victoire alternative contre le monde des plateformes. Alors, nous avons ici Jean-Daniel Zamor de CLAP, et qui vient de Paris, Anne Dufresne, Grécia, qui est chercheuse, Lison Noël, Copcycle France, Tito Alvarez de Elite Taxi, Espagne, Nuria Soto, Raidas por Derechos, et Ernesto Iglesias de Rainer & Lucha. Donc voilà, j'allais directement leur donner la parole, et nous allons faire des interventions de 5 minutes à chaque fois. Nous commençons par Jean-Daniel Zamor. Alors, bonjour à tous. Je vais vous parler principalement de ce qui se passe en France. On a créé le CLAP il y a 2 ans et demi maintenant. Ce qui a été assez frappant dès le départ, c'est que lors de la première manifestation qui a donné naissance au CLAP, qui était le 15 mars 2017, les livreurs, qui étaient énervés, ont directement pris l'habitude de ne pas vouloir donner leur nom. En fait, il y avait dès le départ une réelle peur de donner son nom parce qu'on savait en fait que les plateformes avaient tous les pouvoirs en fait et qu'ils pouvaient nous virer sans même avoir à discuter de pourquoi ils nous viraient. Et donc les livreurs ont tous pris conscience qu'ils ne pouvaient pas faire grève à visage découvert. Et donc du coup, on a essayé de travailler avec ça. On a aussi dû travailler avec ce qu'il y a en France. Je ne sais pas ce qu'il y en a dans les autres pays, mais il y a aussi un réel rejet du syndicalisme en France. Et donc du coup, on a vu dès le 15 mars qu'il y avait eu un rejet des syndicats qui étaient présents. Et donc on a dû essayer de composer avec ça, essayer de faire un collectif pour essayer de répondre aux attentes des travailleurs et essayer de rester le plus proche possible des attentes des travailleurs. Plus on a avancé, plus on a pu essayer plusieurs modes d'action. On a pu, dans un premier temps, essayer de bloquer les restaurants, puisque c'est vraiment là le cœur de l'économie des plateformes. On a eu pas mal de restaurants qui nous ont suivis, parce que les restaurants, eux aussi, sont victimes de ces plateformes. Eux aussi se font prendre une commission qui est parfois monstrueuse et n'ont parfois pas d'autre choix que d'accepter. Et donc, beaucoup de restaurants ont accepté de nous suivre. On a après essayé de notre meilleure arme, ça a toujours été les médias. Les plateformes vivent sur une image d'étudiants qui étaient bien payés, etc. On a vraiment beaucoup œuvré en France avec les livreurs du CLAP, mais aussi de Bordeaux, de Lyon, de Dijon, de Nantes, pour faire en sorte qu'on mette les plateformes face à leur réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, plus personne n'est dupe et tout le monde sait que Deliveroo ou Uber ne sont pas des gentils. Et du coup, ça nous a permis, dans un dernier temps, de pouvoir utiliser les clients aussi pour boycotter les plateformes quand il le fallait, quand on le demandait. Et on l'a fait une seule fois, c'était cet été, on a fait une grève ponctuelle, on a demandé aux clients de nous suivre. Et des retours qu'on a eus, c'est qu'effectivement, ça a été très suivi et qu'il n'y a quasiment pas eu de commandes, il y a eu très peu de commandes. Donc c'est une vraie arme qu'on a contre ces plateformes également. Après, côté victoire, on a eu quelques victoires en France.
Alors on en a eu deux principales. La première concerne Stuart, qui est du coup la seule plateforme française et qui est présente dans certains pays, je crois 9 pays, dont les UK. Et Stuart, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait des minimums horaires garantis qu'on pouvait avoir avec des shifts le soir, enfin toute la semaine. Et Stuart avait décidé d'enlever les minimums horaires garantis le soir, ce qui faisait perdre aux livreurs entre 200 à 300 euros par semaine. On a envoyé un mail après 3 semaines au nom du club pour expliquer que c'était une situation qui n'était pas tenable et qu'il fallait qu'ils changent, sinon on attaquerait médiatiquement et on leur expliquerait à la population ce qui se passe. J'avais envoyé ce message à mercredi à 16h30 et le mercredi à 18h, les livreurs ont appris que tous les minimums horaires garantis étaient de retour. Et donc ça, c'était quand même une grande victoire pour les livreurs Stuart. Et récemment, on a fait une grosse grève contre Deliveroo. Et donc, on attendait que Deliveroo nous appelle pour négocier. Mais finalement, on a eu Uber. Donc, du coup, il n'y a vraiment rien qui fonctionne normalement dans ce système-là. Et Uber nous a proposé de négocier sur leur nouvelle tarification parce qu'ils avaient peur qu'on fasse la même chose qu'on a fait à Deliveroo. Et on a pu obtenir la nouvelle tarification qu'ils ont imposée soit optionnelle et que les livreurs puissent décider, enfin les anciens livreurs puissent décider si oui ou non ils gardent cette tarification. Et on a eu les chiffres, et donc sur 14 000 livreurs Uber Eats qui sont actifs par semaine, il y a seulement 1400 qui ont changé de tarification. Donc on a permis à 90% de pouvoir garder l'ancienne tarification. Et ça, je sais qu'il y a de plus en plus de livreurs qui en sont reconnaissants par rapport à ça. Donc il y a des combats, il y a des victoires qui sont petites encore, mais je pense qu'on a encore beaucoup à faire et c'est plutôt bien qu'on s'organise au niveau transnational pour essayer de frapper les plateformes partout où elles sont. Et je pense qu'il y a également un gros travail, et je regarde Barbara Gomez parce qu'on a travaillé beaucoup là-dessus, avec les parlementaires. Je pense qu'on a réussi à mettre l'opinion publique de notre côté. Les gens savent que les livreurs ou les VTC sont des travailleurs qui subissent des décisions unilatérales et qu'il faut maintenant agir sur le législateur pour le contraindre à faire respecter les droits des travailleurs et à ce que tout le monde puisse travailler avec dignité. Muchas gracias, Anne Dufresne. Merci beaucoup. Nous écoutons l'auteur suivant. Bonjour à toutes et à tous. Merci au forum. Merci aux organisateurs d'avoir organisé ce forum et qui a aussi permis, donc, comme l'a dit Leïla tout à l'heure, de faire une rencontre hier entre les coursiers des différents pays. Une rencontre qui poursuit en fait justement l'expérience qui avait été réalisée l'année passée, en octobre 2018, de la première Assemblée Générale Européenne des coursiers. Alors, cette Assemblée Générale Européenne, c'est un début de processus. Hein. Et moi, je pense que c'est une expérience pertinente à décrypter, en fait, sous l'angle des conditions. Moi, ce que je pensais intéressant, ce que j'ai essayé de faire dans ce petit recueil, c'est de voir quelles sont, en fait, les conditions de la mobilisation sociale transnationale de manière plus large. C'est pas forcément que pour le secteur des coursiers, mais ça donne, en fait, aussi une base pour mieux comprendre ça, quelles sont les nécessaires conditions pour aller vers des mobilisations de ce type. Et tout le défi syndical que ça implique. Hein. On a entendu là depuis tout à l'heure, oui, il faudrait un renouveau syndical. Les syndicats sont éloignés des travailleurs, etc. Donc il y a une vraie question qui se pose là en termes de défi au syndicalisme. Et donc là, comme j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas passer en vue toutes les questions qui sont posées, mais juste me focaliser sur une des conditions en question, qui est la construction de revendications communes au-delà des frontières nationales. Et avant ça, dire comment est née en fait cette AG, c'est simplement parti de l'Alter Summit qui a décidé de lancer ce processus. Puis en 2016, donc il y a eu cette idée qui a été lancée. Puis en 2017, il y a eu énormément de grèves.
Jean-Daniel parlait de la grève de mars en France, mais il y a eu évidemment des grèves aussi en Angleterre, en Italie, dans 15 pays. Donc cette vague de grève-là, elle a incité l'Altersummit à passer des idées à l'action et à monter cette rencontre européenne. Et donc c'est ainsi qu'il y a eu une soixantaine de coursiers issus de 24 collectifs qui se sont regroupés pour pouvoir travailler ensemble sur non seulement donc la méthode qui a été mise en place au moment de cet AG, c'était un, échanger sur les revendications, les actions et les formes d'organisation locale. Et pour ensuite construire un socle de revendications et d'actions à l'échelon transnational. Donc ça, c'était un peu l'idée qui a été essayée d'être mise en place à ce moment-là. Et donc ces revendications, en l'occurrence, l'idée, c'était de voir qu'au fur et à mesure de discussions entre les coursiers, il se trouvait que, ben, évidemment, comme ils sont confrontés aux mêmes plateformes et aux mêmes problèmes qui ont été mentionnés tout au long de la première table ronde ici, eh bien, ils aboutissent à une liste commune, finalement, de revendications qui sont au nombre, enfin, en termes de grandes catégories de revendications, il y en a 6. C'est les données, les salaires, la représentation collective, le statut, les conditions de travail, mais aussi l'extension de la lutte aux autres travailleurs de plateforme et aux travailleurs précaires plus généralement. Et donc, je pense que c'est important, ça n'a pas été beaucoup mentionné pour l'instant, mais de voir à quel point la revendication sur la transparence sur l'utilisation des données personnelles et des applications, elle est assez essentielle aussi. Là, je ne vais pas rentrer dedans, mais on pourra en parler dans le débat peut-être. Il y a tout un processus actuellement de l'e-commerce où il y a les tables. Les roundtables de l'OMC là qui sont en train de se préparer sur cette question, et où là il y a vraiment une captation, une volonté par toutes les entreprises multinationales d'aller vers une libéralisation du flux des données. C'est plus du flux des capitaux maintenant, c'est du flux des données. Et donc ça c'est vraiment au-delà des enjeux évidemment très urgents de réglementation sociale dont tout le monde a parlé tout à l'heure, mais je pense qu'à long terme il y a cette nécessité de travailler et de bloquer l'idée de ces grandes entreprises, c'est donc de libéraliser le flux des données, mais aussi de bloquer l'accès aux algorithmes. Ce qui fait que il y aura plus de possibilités de enfin il y aura, l'idée c'est vraiment de ne pas pouvoir à l'OMC, c'est ce qui devrait être décidé en juin. Donc il y a toutes des campagnes qui tournent autour de ça, et donc je pense que j'invite que ce soit les taxis, tous les secteurs qui sont concernés à se rallier à ces campagnes, parce que je pense que c'est un assez essentiel. Mais un niveau plus méta. Et après, donc troisième, sur les revendications, j'ai plus beaucoup de temps. Ok. Et donc ça, c'est la première revendication, la transparence des données et des algorithmes. Deuxième revendication, qui était une revendication transversale, c'était celle du garantie, du minimum horaire garanti. Donc ça a été très fort débattu, que ce soit à l'Assemblée en l'occurrence. Évidemment, ça, c'est une revendication plus classique que celle des données, plus classique au plan syndical. Et par exemple, la IWW en Angleterre proposait un salaire minimum transnational équivalent à 1,5 fois le salaire minimum national. Donc, entre autres propositions, après, donc il y a plein de possibilités de réfléchir à un salaire minimum garanti qui pourrait être aussi 60% du salaire médian horaire, ce qui avait été débattu par ailleurs. Enfin bon, après justement, c'est des réflexions qui peuvent être en cours. Après, ce que je pense très important, c'est les revendications plus politiques qui sont apparues aussi, comme donc cette idée de les coursiers, ils ont aussi bien conscience en général d'être
le fer de lance de, de l'action collective des travailleurs de plateforme, parce qu'ils sont visibles. Les travailleurs d'Amazon qui sont cachés dans les entrepôts ou les travailleurs donc d'autres secteurs uberisés mais beaucoup plus invisibilisés, ben en fait là c'est vrai que les coursiers sont très médiatiques, très ça a été très très visible ces dernières années, et je pense que c'est aussi le moyen de rendre visibles tous les autres travailleurs de plateforme, y compris les tâcherons du clic en Inde. Cette réflexion sur les conditions de la mobilisation sociale transnationale, elle s'applique aussi donc aux très nombreux secteurs touchés par l'ubérisation, auxquels risque encore de s'étendre encore plus le capitalisme de plateforme, et avec lui la mise à mal du travail du travailleur qu'on vient d'évoquer, d'où l'importance, à mon avis, accordée à ces nouvelles formes d'acteurs collectifs et de lutte transnationale, hein, donc de passer à cet échelon, ce qui est vraiment complexe, mais à mon avis essentiel, puisque face à ces multinationales qui ont, comme Uber, 600 villes dans le monde, la lutte ne peut pas être que nationale, évidemment. Merci, Anne. Lisan Noël, COPCycle, France. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous parler de COPCycle, qui est une fédération de coopératives de livraison à vélo en Europe. Nous sommes une association de militants et de militantes qui imaginons depuis 30 ans une alternative à l'ubérisation. Ça fait 3 ans qu'on structure une fédération de coopératives de livraison à vélo. Et depuis 3 ans, on travaille à accompagner au mieux les coopératives existantes et les livreurs et livreuses qui veulent se structurer en coopérative. Alors pourquoi en coopérative ? Parce qu'il nous semble que c'est l'organisation du travail qui permet de donner le plus de pouvoir aux travailleurs et travailleuses. Et donc on défend la coopérative afin de donner aux travailleurs et travailleuses la propriété de leurs moyens de production. Et on défend également le salariat réel face au salariat déguisé, parce qu'on n'a pas encore trouvé mieux pour garantir aux travailleurs et travailleuses une sécurité et une protection sociale digne de ce nom. COPCycle fédère aujourd'hui une 20aine de collectifs de livreurs et livreuses situés en France, en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne et on espère bientôt en Autriche et dans d'autres pays européens. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire accompagner des collectifs de livreurs et livreuses ? La manière qu'on a trouvé de le faire est d'identifier un certain nombre de services mutualisés dont ils pourraient avoir besoin. Le premier, c'est un logiciel de gestion de courses. Ensuite, on a également pensé à un service de commercial en commun, un service de communication en commun également, un service de formation, un service d'achat groupé et un service de coordination pour chapeauter tout ça. Et ces services, l'idée, c'est qu'ils seront financés par la cotisation de chaque collectif selon ses moyens. Ces services sont construits peu à peu, depuis 3 ans, avec les livreurs et livreuses de la fédération, parce qu'il est très important pour nous qu'ils et elles prennent en main cette fédération et que ces services répondent le plus justement possible à leurs besoins. Il est crucial pour nous que les collectifs prennent en main ces services pour pouvoir s'entraider à l'échelle européenne après s'être organisés préalablement à l'échelle locale d'une ville. On soutient évidemment les luttes des livreurs et des livreuses en Europe et dans le monde, et on soutient le fait que ces luttes leur permettent de se rencontrer et de s'organiser, parce que c'est évidemment le préalable de la lutte politique, à la fois pour lutter efficacement et pour travailler ensemble, que ce soit pour lutter sous la forme d'action politique ou pour se constituer en coopérative. Voilà pour cette rapide présentation. Merci Lisan. Tito Alvarez, Elite Taxi Espagne. Bonjour, je ne suis pas tellement habituée au micro, hein, mais bon. La lutte pour nous en Espagne a commencé en 2014 avec l'entrée d'Uber Pop. Il y a eu un mouvement qui s'est créé et qui est parvenu aujourd'hui à éveiller beaucoup de conscience. Une association de 1000 partenaires et qui a
collecter des fonds pour mener la lutte, et nous sommes arrivés en fait jusqu'à la Cour de justice européenne. Après cela, nous par la biais de Swedss, nous avons pu enfin, elle a voulu justifier que son activité était légale. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce que vous savez tous déjà, hein, parce qu'il faudrait que nous apprenions tous de ce qui s'est passé jusqu'à présent, y réfléchir. Et à Barcelone et à Madrid, nous avons créé notre association qui s'appelle Taxi Project, parce que nous pensons qu'il faut changer la forme de lutte. Et j'aime bien dire qu'il faudrait créer le nouveau syndicalisme de l'avenir, c'est-à-dire professionnaliser notre lutte, par exemple, par des hackers, par des économistes, des chercheurs, des juristes, et vraiment agir en tant que syndicat. Pourquoi ? Eh bien, parce que finalement, je crois que ces entreprises technologiques, ce qu'ils font, c'est chercher des vides juridiques pour s'introduire sur le marché et vendre leurs mensonges. Donc, ils utilisent un marketing trompeur et ils s'installent dans des institutions comme ici, par exemple, par le biais des lobbies. Et là, ils exercent leur pression. Moi, je crois qu'en ce qui concerne les taxis, avec le caractère très capillaire, je crois qu'il n'y a pas un village dans le monde où il n'y ait pas un taxi. Alors, avec un peu d'organisation et apprenant de l'ennemi, on pourrait en fait vraiment s'inscrire sur le registre de transparence comme lobby, un lobby de taxi, mais pas pour nous comporter comme ce que nous critiquons, mais pour les combattre avec nos propres armes. Parce qu'en fait, nous avons suffisamment d'arguments pour démontrer, comme nous l'avons fait, hein, par les moyens informatiques, nous avons rédigé un rapport et nous avons procédé à une ingénierie inverse. Et nous démontrons, avec des gens de haut niveau reconnus dans toute l'Europe, qu'il y a beaucoup d'éléments qui montrent bien en fait qu'ils ne respectent la protection des données, qu'ils manipulent les prix en fonction du type de téléphone, etc. En fait, il s'agit simplement d'aller d'un point A à un point B. On n'a pas besoin enfin d'envoyer des tas de SMS, etc. Après, ils nous disent qu'on n'écoute pas les conversations, mais ça, on n'en est pas sûr. Donc, nous avons mis ces rapports entre les mains des autorités compétentes et nous attendons de voir ce qui va se passer. Et nous espérons que d'ici peu, nous pourrons remettre en doute une fois encore ce modèle et ce qu'ils font pour atteindre leur objectif qui, pour nous, en fait, représente en fait des délits technologiques. Alors, comment envisageons-nous les choses, nous ? Eh bien, du point de vue des taxis, nous avons un gros potentiel, hein. Nous avons en fait quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est les rues. Nous avons la capacité d'arrêter l'économie si les autorités ne tiennent pas compte de nos arguments. Parce qu'en fait, ces gens agissent tout à fait en dehors de la loi, ils font pression, et les taxis ont la capacité d'arrêter, par exemple, tous les aéroports d'Espagne, comme nous l'avons fait. Et nous pouvons vraiment arrêter l'économie. Et en conclusion, je voudrais vous dire que par le biais des taxis, nous pouvons collaborer, nous pouvons aider d'autres groupes, comme par exemple les livreurs, les riders, qui se heurtent au même problème, pour voir si on peut en fait arrêter ce capitalisme,
ces plateformes et afin d'arriver à les obliger à respecter la législation en matière de protection de données. Alors, il y a une application, finalement, on vit dans des limbes et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et après 5 ans, en fait, on a voulu s'arrêter, mais ils ont encore toutes les données. Alors, je ne sais pas. Mais ce que nous proposons, en fait, c'est d'être plus rusés qu'eux, plus intelligents qu'eux. Et je ne sais pas comment finir. Hein. Il faut être plus méchant qu'eux, finalement, hein, parce qu'on ne veut pas mourir dans la dignité. Nous voulons gagner. Et ce sont nous les gentils. C'est nous les gentils. Eux, ce sont les méchants. Hein. Donc, voilà. Merci. Ouf. Muchas gracias, Tito. Nuria Soto de Riders por Derechos. Merci beaucoup, Nuria. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Nuria, intersyndicale alternative de Catalogne. Alors, ce que je vais faire pour commencer, je vais commencer par me livrer un petit résumé des différentes batailles judiciaires que nous avons gagnées. Mais je commencerai un peu par l'origine de Reiners por Derechos. Nous autres, nous travaillons dans Deliveroo. Alors, oui, bon, c'est un peu le cas typique. Tu te manifestes et puis, puisque tu n'as aucun droit et qu'ils adorent pervertir le langage, ils disent qu'ils te déconnectent. Et en fait, ils te licencient avec toutes les autres têtes fortes des manifestations, mais également avec tous ceux qui ont mené les grèves, tous les syndiqués. Alors en fait, effectivement, on le dit, la démocratie c'est très lent, et puis effectivement, l'arrêt, lui, il a été prononcé il y a quelques... très récemment. Nous avons gagné le cas, alors effectivement, ça a été annulé. L'entreprise doit réintégrer les employés avec contrat, alors l'entreprise a déposé un recours, mais à titre provisoire, ils ont été obligés de nous réaccepter. Ils n'ont pas souhaité ici avoir d'autres personnes qui investissent les rues dans Deliveroo. Alors nous, en fait, nous sommes payés pour ne rien faire. Alors moi aussi, moi, je prends un dessert quand je mange parce que c'est Deliveroo qui paye, qui régale en quelque sorte. Voilà donc l'origine de notre mouvement. Mais avant cela, il y a eu d'autres victoires judiciaires. Et également, elles sont toutes un peu contradictoires parce que même si nous avons quand même des avantages, notamment pour Globo, bah vous connaîtrez ce cas pour la plupart d'entre vous, on a gagné 11 arrêts, il y a 8 cas qui ont été perdus, dans Deliveroo nous allons tous gagner. Cela vaut notamment pour ce qui s'est passé au niveau de l'inspection du travail, et qui a en fait arnaqué notre billet de plusieurs millions. Là, je parle d'entreprise, c'est ce qu'elle a fait avec l'Espagne. Et au tribunal supérieur, nous avons également remporté ici 2 procès, perdu 1 procès, parce qu'en fait, c'est un peu l'histoire éternelle. Il y a des petits changements dans l'application. Et après, tout recommence depuis le début. Et puis, c'est finalement, c'est toujours le même cycle qui recommence. Alors, il est très important pour cette raison-là d'être ici. Nous avons souhaité transmettre cette idée dans la réunion d'aujourd'hui à la Commission européenne. N'a pas non plus été quelque chose qui nous a incité à beaucoup d'espoir, la réponse que nous avons reçue, et on l'avait déjà dit, pour ce qui est la question des compétences, mais également les solutions qu'on peut offrir lorsqu'on dit que tant que ces procès judiciaires sont en cours et qu'ils ne cessent de s'allonger, ces plateformes préparent déjà le changement pour essayer de prendre un bras-le-corps sous la société européenne. Nous autres, pour pouvoir gagner nos procès, pour pouvoir faire valoir notre position, et ça avait été dit par notre collègue Martin Madrid, c'est quelque chose de très radical que nous avons dû faire au niveau judiciaire notamment. Nous l'avons dit très clairement, donc nous sommes des travailleurs. Et nous voyons quand même qu'il y a une contradiction. Il y a un débat, mais nous pensons que le débat, lui, n'a pas lieu d'être, ou n'existe pas parce qu'il y a une sorte de figure intermédiaire, un terrain un peu glissant. C'est parce que ces entreprises ont créé ce débat, ont investi beaucoup dans le marketing pour créer un débat qui ne devrait même pas exister pour toutes les preuves qui montrent que nous sommes en fait ici les travailleurs. Rafa Maïdi l'autre jour m'avait raconté en fait que dans les années 80, le débat que nous avons aujourd'hui eh bien, avait déjà eu lieu et nous avions remporté la donne, mais c'était déjà le même débat.
et nous retrouvons ici au même endroit à discuter de la même chose. Mais dans ce contexte, il est très important, cela avait été dit, notamment d'investir dans un débat, voir un peu comment on peut s'efforcer à brouiller les esprits à travers le langage, à justement brouiller les esprits. Alors moi, ce qu'on m'a dit, on m'a dit que moi, ce que je faisais, c'était pas une journée de travail, je faisais des missions. Donc je n'ai pas travaillé. Je n'allais en mission, en quelque sorte. Et ça, c'est aussi grave que de dire, par exemple, que le loup, c'est un entrepreneur. Alors, franchement, on ne se demande même pas si on monte à bicyclette, si on sait pédaler dans l'absolu. Donc, en fait, c'est un peu le conflit auquel nous sommes confrontés. Martine a également parlé du fait que nous pourrions avoir des aides ou pas pour pouvoir lutter contre cela. Non, nous devons les avoir, mais il y a également des alternatives. Alors, nous sommes avec Onsaka, ce qui est coopérative, également plateforme. Il est également important ici de parler de ces alternatives qui existent aujourd'hui, l'importance qu'elles ont, parce qu'ici on démontre l'argument principal de ces plateformes, dire qu'elles sont tellement novatrices que pour cela elles ne doivent rien payer, pas garantir de droits du travail, que la loi doit s'adapter. Et c'est une autre opération du langage, comme pour Tonomo Digital, parce qu'en fait, c'est tout simplement appeler un indépendant d'une autre manière, et notamment ici procéder à une fraude fiscale. Alors, Mensaka et Copcycle démontrent en fait l'argument principal. Ils disent qu'on peut travailler avec l'innovation, avec des instruments novateurs, et garantir de droit du travail en même temps, que ce n'est pas incompatible. Ce sont donc des initiatives brillantes, parce que elles existent, Mensaka. Il y a également des plateformes de lutte. Alors, cela veut dire que tous ceux qui s'organisent, qui disposent du moins de la moindre confiance sociale, peuvent également entreprendre quelque chose. Alors, au sens propre de ce que cela veut dire, entreprendre. Alors, je pense que c'est extraordinaire. Nous devrions lui donner de l'importance. On devrait également donner de la pertinence. Voilà, puis après il y a également encore cette lutte, et là je crois que c'est très important d'insister sur ce que l'association veut nous faire comprendre ou faire passer pour responsable. Alors effectivement, nous avons cette plateforme numérique, jusqu'à maintenant on a pu gagner, remporter des procès, des batailles judiciaires, mais si maintenant on fait une nouvelle législation qui légitime ce faux indépendant, je dirais sincèrement, nous n'avons plus de voie de recours. Ce sera la fin de la lutte. Et c'est ce qui se passe là, précisément. Alors, ce qu'il propose ici, c'est celle-là. C'est via l'argument de l'innovation, nous sommes innovateurs. Malo d'Argentine m'a raconté ce qui se passait là-bas. Une entreprise avec 400 livreurs ce contrat via la plateforme. Alors, comme c'est de la concurrence déloyale, Ravis Lovo, il licencie 400 employés, ils emploient 400 faux indépendants, et puis alors, eux fonctionnent désormais comme Ravis Lovo, comme le concurrent. Alors, pourquoi payer des impôts? Parce qu'ils n'ont pas, eux, envie. Ils n'ont pas envie, donc ils ne payent pas ces impôts. Il y a également ici des milliers de preuves qui convergent même vers la même réalité. Alors, maintenant, ce n'est pas le débat de savoir si on va être indépendant ou être salarié. En fait, on doit savoir un peu ce qui est possible d'être dans le cadre de ce modèle. Là, c'est très facile, très clair, qu'il y a des preuves comme celles que je viens de vous raconter, que c'est quelque chose qu'on nous apporte déjà un peu sur un plateau. Il ne s'agit pas de biologie. Ou il ne s'agit pas de savoir ce qui est mieux, quel est mon avis. En fait, quelle que soit l'idéologie, il faut pouvoir s'adapter à la loi, et ce n'est pas la loi qui doit s'adapter à l'idéologie. Parce qu'on a une législation, on doit la respecter, parce que moi, lorsque je paye une cotisation d'autonome, eh bien, enfin, c'est vraiment énorme pour moi. Et alors que les entreprises, elles, n'ont absolument rien à payer, en quelque sorte, et nous devons avoir une sorte de logique. Nous devons ici nous concentrer sur les compétences des différents États. Nous devons également prendre notre sort en main. Merci. Très bien, merci beaucoup Noria. Ils ne payent pas d'impôts non, parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est aussi parce qu'on les laisse faire. Hein. Alors Ernesto Iglesias, Rainer in Lucha, merci de cette invitation et de l'intérêt que soulève Rainer. J'ai pris une note de ce qui a été dit jusqu'ici.
cet après-midi. Et en fait, il y a beaucoup de points communs, là, je veux dire, ce sont des modèles dynamiques qui sont en avance sur la loi, ils se fondent sur l'externalisation, ils se caractérisent par l'absence de droit, la concurrence déloyale, et ils défient la loi, parce que ce sont en fait des gens qui se croient plus intelligents que les autres, et ils pensent que la loi est faite pour eux. Et puis, du point de vue fiscalité, c'est un autre problème. Ils échappent aux impôts. Et ils ont, comme cela a été dit, une façon de parler qui cache en fait ce qu'ils font vraiment. Cela dit, je vais essayer de définir en une phrase Ryanair, ce qu'a dit Mark O'Leary. Dans une conférence de presse, il a annoncé qu'il va y avoir un vol et qu'en première classe, il va offrir des fellations aux passagers. Alors je me demande en fait si c'est lui qui va le faire ou bien s'il laissait en fait d'autres travailleurs le faire. Voilà, quel est le profil de ce monsieur, hein? C'est un profil antipathique, agressif à l'égard des travailleurs. Et pour que vous compreniez un petit peu les choses, et c'est ce que disait en fait notre camarade Lydia, qui fait partie en fait de l'équipage de Ryanair. Moi, je fais partie du syndicat qui lutte contre Ryanair. En tant que responsable de FOL, je suis ici en son nom, mais c'est elle en fait qui souffre de cela. Il y a un régime de sanctions très strict, brutal. Qui ne pardonne rien. Par exemple, en ce qui concerne l'absence pour maladie, il y a une politique, en fait, qui est inventée chaque jour. Et lorsque, en un an, il y a, en fait, 4 absences pour maladie, eh bien, on dit, bon, c'est ton problème. Hein. Et il y a un cas flagrant d'une personne qui a eu, en fait, une absence pour avortement et puis une perforation de l'ouïe. Et il y a une autre absence pour maladie. Mais une femme, en fait, qui a eu un avortement, qui a eu cette absence pour une cause extrêmement sensible, se trouve face à un homme et qui doit expliquer ce genre de choses, si elle n'explique pas les choses, eh bien, elle est renvoyée. Donc, vous voyez un petit peu l'état d'esprit de cette compagnie. Hein. Comme le disait notre camarade, il y a un équipage de cabine, mais on nous appelle en fait agents de vente. On n'est pas équipage, hein, on est agents de vente. Pourtant, en cas d'urgence, on doit assister les passagers et on doit vraiment être présent pendant tout le vol. S'il y a un atterrissage d'urgence, eh bien on est quand même là pour s'occuper des passagers afin qu'ils soient en toute sécurité. Alors, personne, en fait, ne peut se représenter. Donc, si vous voulez, nous ne sommes pas considérés comme des équipages, mais comme des agents de vente. Donc, c'est un travail aussi qui est occasionnel, comme beaucoup d'autres. Et l'intégrité et la dignité en tant que travailleur, en tant que membre d'équipage, en fait, est balayée. D'un coup de plume, puisqu'on est appelé agent de vente. Et si tu ne ventes pas, eh bien, tu es un mauvais travailleur. Et par exemple, on tient compte, lorsqu'on a fermé la base des Canaries, en fait, on jugeait les travailleurs en fonction de la vente, comme n'importe quelle autre entreprise. Le problème principal que Ryanair a eu dans toute l'Europe, c'est le problème de la législation applicable au niveau législatif pendant 30 ans. Personne dans ce continent n'a pensé à savoir quelle est la législation à appliquer pour une entreprise qui fonctionne en Allemagne, en Espagne, en France, ailleurs.
Et les syndicats ont dit, mais comment est-ce qu'une entreprise peut travailler ici et choisir la législation qui doit lui être appliquée? Par exemple, lorsqu'il y a un renvoi et lorsqu'il y a une réclamation, il fallait en fait aller en Irlande. Donc franchement, c'est vraiment la voie libre pour que ces messieurs fassent ce qu'ils veulent. L'importance de la législation espagnole est donnée par le statut des travailleurs. En Espagne, le statut des travailleurs qui fait partie de la convention collective pour améliorer les conditions de travail. Donc, s'il n'y a pas en fait de législation espagnole, en l'occurrence, on ne peut pas négocier une convention collective. Et c'est ce qui se passe en fait actuellement. Les travailleurs n'ont pas de convention collective vraiment. Il y a fermeture de la base des Canaries et celle d'où vient ma camarade. Et ils l'ont fermée parce qu'en fait, c'est ce qu'ils souhaitaient. Ils n'ont rien négocié. Et là d'où je viens, en fait, ils allaient licencier une centaine de personnes. Et nous sommes parvenus, en fait, à ce qu'il n'y ait pas de renvoi. Mais Ryanair, en fait, est l'entreprise que tout le monde connaît. Et quand on demande ce qu'il en est au plan judiciaire et au plan légal, en fait, il y a l'avocat du secteur aérien, là, qui gère, en fait, toutes les demandes contre Ryanair. Il s'agit, en fait, d'avoir des contrats, de respecter le droit du travail. Et finalement, en fait, tout ceci est à l'égard de Ryanair. Le jour, en fait, de la grève, le chef de base a dit à l'inspection du travail qu'ils peuvent entrer dans un centre de travail. Et elle a dit à l'inspection du travail qu'il n'est pas possible d'entrer parce qu'en fait, c'est un territoire irlandais, tout comme si c'était, une ambassade, hein. C'est vraiment quelque chose de surréaliste. Et il y a eu, en fait, une attitude d'obstruction à l'égard de l'inspection du travail. Et j'ai parlé de l'externalisation. Une grande partie des travailleurs qu'ils utilisent sont externalisés. Alors, ils appellent une agence, non pas une agence de travail temporaire, non, on appelle ça une agence pour recruter une grande partie de travailleurs. Et là, en fait, il y a des contrats de travailleurs zéro heure. Alors, nous l'avons dénoncé à l'inspection du travail. L'inspection du travail nous a dit que nous avions raison, mais il continue à opérer de la même manière, avec le même modèle. Donc voilà, en termes généraux, ce que je souhaitais vous dire. Ce que nous avons fait, c'est une grève, enfin plus d'une grève hein, au niveau européen. Et c'est la seule compagnie aérienne de ce continent qui a connu une grève dans 7 pays en même temps. Et nous sommes parvenus à ce que la législation espagnole soit appliquée. Mais en fait, ils ne respectent pas cette législation. Et maintenant, en fait, il faut continuer à lutter. Nous sommes venus voir la Commission européenne. Et ils nous ont dit qu'ils allaient venir dans notre pays. Dans notre pays, on nous dit en fait que c'est un problème qui doit être traité au niveau européen. Bon, il est évident qu'au niveau européen, on peut faire moins qu'au niveau national parce que Madame Valerio ne nous a même pas reçus. Elle n'a rien saisi. Et par le biais de hauts fonctionnaires de l'État,
nous avons su qu'il n'y avait pas de volonté politique de faire face à une entreprise comme Ryanair. Et lorsqu'on s'adresse à l'autorité des pays, on voit vraiment que le courage politique, c'est ce que nous attendons. Et comme beaucoup d'électeurs de Podemos, nous espérons qu'il y ait un gouvernement autre qui nous aide. Et nous espérons que, d'une certaine manière, on commence à réguler cela au niveau européen, hein, à réguler ce type de compagnie. Parce que tout comme pour les autres secteurs dont ont parlé nos camarades, en fait, les autres compagnies sont amenées à les copier, finalement. Parce que soit, en fait, on améliore le modèle, soit on fait la même chose. Alors, dans certaines compagnies, en fait, l'équipage a commencé à nettoyer les avions, ce qu'il ne faisait pas avant. Et il en va de même pour beaucoup de choses. Voilà. Je crois qu'ainsi, vous avez pu avoir une idée du problème présenté par Ryanair et comment ils arrivent à vendre des billets d'avion aussi peu chers. Mais c'est un billet, en fait, qui est peu cher parce que ça se fonde sur l'absence de droits. Parce que, par exemple, lorsqu'on a des enfants, si on veut une réduction d'horaire, eh bien, on le lui refuse. Donc, qui peut entrer en concurrence avec quelqu'un qui ne respecte pas la législation? C'est un problème commun aux trois secteurs dont nous avons parlé aujourd'hui. Et il faut absolument arriver à changer les choses. Muchísimas gracias, Ernesto. Merci avant cette pause. Prendre un café, nous avons 15 minutes à notre disposition. J'aimerais vous proposer de prendre la parole, d'intervenir pour faire réflexion quelle qu'elle soit, poser des questions à qui vous le souhaitez. Nous avons 15 minutes pour cela. N'hésitez pas. On peut prendre trois questions à chaque fois. Bonjour. Alors moi, je voudrais m'adresser à Ernesto. Tu nous as dit très bien ce qu'il en était. Tout ce qui avait été signé à Girona comme nouveau contrat, accord collectif. Est-ce que tu pourrais peut-être donner quelques-uns des détails des différentes conditions, des réductions de conditions que la compagnie Ryanair a proposées? Merci. On pourrait peut-être écouter trois questions à chaque fois et puis on pourrait procéder aux réponses. Bonjour. Pequeña reflexión, ¿no? Creo que los dos temas que habéis elegido para las primeras ponencias. Alors effectivement, je crois que ce qui a été dit, c'était vraiment très juste. Il y a de nouvelles formes, on les connaît, de précarité. Il y a des luttes, des victoires. Et nous espérons qu'il y aura également des alternatives. C'est ce qui nous réunit ici. Alors effectivement, on ne peut pas ici laisser la place à la complaisance. Alors je crois que tout ce que vous avez dit, c'est fort bon, mais il faut quand même ici procéder à une interprétation des points faibles que nous avons à l'heure actuelle, sur lesquels nous devons travailler pour que nous puissions vraiment réagir à tout ce que vous avez dit, que nous puissions ici matérialiser un peu des solutions. Alors moi, j'ai vu quand même deux petits problèmes. Et j'aimerais en parler avec votre autorisation. Alors effectivement, je crois que nous sommes face à une lutte intersectorielle. On nous a présenté ici plus ou moins trois secteurs. L'aéronautique, le taxi, les compagnies low cost. Quel que soit leur nom, je crois que cela va également pour d'autres secteurs qu'il faut mettre en exergue, notamment les secteurs en relation avec les services. Et moi, j'ai quand même bien l'impression que un des problèmes, c'est que le champ est très large. Il y a beaucoup de personnes qui sont affectées par cette précarité. Il y a des jeunes précaires, il y a également des personnes salariées, des faux indépendants, des femmes, des migrants. Et c'est en fait ce qui aide le capital, parce qu'on a cette précarité qui est tellement disséminée. Donc en fait, il est très difficile ici que nous puissions nous unir. Et cela représente une des revendications que je porte. Bon, je ne souhaiterais pas ici vous faire de mal, mais j'ai quand même bien l'impression que vous êtes tous venus avec vos priorités, c'est très bien, mais ce que vous nous avez dit, c'est quand même quelque chose qui ressemble à une encyclopédie.
Alors nous avons commencé à réunir toutes ces luttes, rédiger quelque chose, faire en sorte de pouvoir unir tout ce qui se fait. Et ce qui est vraiment un problème de caractère sectoriel devrait être uni afin de pouvoir porter le combat à un autre niveau pour trouver des solutions de caractère intégré. Alors vous avez parlé un peu du volet syndical. Je crois que c'est une partie importante que de pouvoir réunir chacun de ces secteurs, faire en sorte que le travail syndical puisse se faire. Vous avez également parlé de la partie législative, également juridique. Moi, je viens d'un parlement beaucoup plus petit que celui-ci, avec 1 million d'habitants représentés là-bas, pour vous faire un peu une idée. Et je suis très sceptique. J'espère que ce scepticisme disparaîtra avec le troisième panel et que nous avons également des responsabilités politiques et que nous pourrons également faire quelque chose. Mucha hipocresía. O sea, yo en el parlamento en que me manejo. Alors effectivement, on voit un peu ce qu'il en est de la droite la plus rance jusqu'à l'échiquier politique de la gauche, la plus radicale. Alors effectivement, nous ne partageons pas ce qui évolue par ces entreprises. Il faut comprendre ce que veut le travailleur, la travailleuse. On masque toujours certaines choses, mais si nous ne faisons pas de politique pour mettre un terme à ce type d'entreprise, d'une manière ou d'une autre, et pour pouvoir réagir. Bon, par exemple, ça a été dit dans le cadre des activités taxis, eh bien, ce capitalisme sauvage, il faut quand même le freiner, sinon qu'est-ce qu'on pourra faire? Et vous l'avez dit aussi, j'ai un peu l'impression que lorsqu'on parle de lutte et de victoire, nous avons une phrase qui est vraiment très de gauche, et c'est que nous allons de victoire en victoire vers la déroute finale, parce qu'en fin de compte, ce sera la déroute, la défaite. Et je crois que c'est vraiment ce que nous devons obtenir. On a des luttes partielles, c'est très bien, on peut avoir des expériences pour les partager, mais il faut ici passer à une lutte globale. Et pour redire les choses encore de manière critique, on a l'impression que ces luttes, on l'a vu, toutes les personnes qui ont participé, nous sommes en fait des pays du Sud. Alors peut-être qu'on pourrait chercher un peu ailleurs ce qu'il en est, d'autres exemples en Europe. Voilà, c'est tout, merci. Merci beaucoup. On pourrait écouter un autre intervenant. J'ai commencé par la fin. Un des grands objectifs de cette journée, c'est de pouvoir s'unir pour mener une lutte commune. C'est justement ça qui importe. Voir un peu comment nous luttons de manière individuelle sur de nombreux fronts et qui sont en fait des fronts communs. Encore une décision, nous prenons encore une question et puis nous répondrons. Merci de bien vouloir vous présenter. ¿Quelqu'un souhaite encore intervenir? Oui. Buenas, soy Noël, le taxista de Barcelona. Más que nada era... Par rapport à ce qu'a dit notre camarade, je crois que deux des trois revendications peuvent être résumées dans un seul objectif, à savoir régulariser ou réguler les choses, parce que il est clair que à partir du moment où l'on amène une régularisation, en fait, ils s'en vont, ils vont ailleurs. Donc, je comprends les travailleurs, les conducteurs, les coursiers des plateformes, je comprends, en fait, qu'ils gagnent leur vie et qu'ils travaillent. Mais je ne veux pas en fait qu'ils, je veux qu'ils travaillent, mais qu'ils travaillent dans le cadre d'une réglementation qui existe. Mais ça, c'est rare aujourd'hui. Merci. Nous commençons par la réponse directe là. La question que m'a poser la journaliste, eh bien, je crois que ce que je peux répondre, eh bien, c'est ceci. Lydia, qui travaille ici, en fait, vit cela au quotidien et elle pourra donner beaucoup plus de détails. Bonjour, je suis Lydia et je suis hôtesse sur la base de Gironde en Espagne et je suis l'une des de celles qui sont affectées dans l'une des 4 bases qui veulent fermer en Espagne. Alors, pour brosser un petit peu le tableau, Ryanair a décidé qu'il y avait 4 bases en Espagne qui n'étaient pas productives et qu'elle souhaitait en fait nous renvoyer, en renvoyer tous les travailleurs. Pour faire cela, comme il y avait déjà un pacte
signée avec les syndicats majoritaires en Espagne devait respecter la législation espagnole, devait en fait respecter la convention collective. Et donc, il y a 400 travailleurs actuellement qui sont concernés. Alors, nous avons commencé un processus de consultation. Nous avons suivi toutes les étapes prévues par la loi. Il y a eu un processus de consultation avec les personnes élues par les travailleurs de la base. Et comme ça se passe toujours avec Ryanair, il n'est pas possible de négocier avec cette entreprise. Ils ne négocient pas, ils imposent. Et si on ne baisse pas la tête face à ce qu'ils veulent nous imposer, eh bien, ils disent que c'est nous qui nions les négociations. C'est exactement ce qui s'est passé au cours de ce licenciement collectif. Alors, nous allons passer bien sûr aux instances juridiques. Mais quelques jours après ce processus de consultation et de licenciement collectif, les travailleurs de Gérone se sont vus dire que l'entreprise voulait une réunion avec tous ceux affectés. Mais cela, en fait, on nous l'a dit 24 heures avant. Donc, évidemment, on n'a pas pu organiser tout cela. Le pilote qui était dans un avion était le délégué responsable, le délégué syndical des pilotes. Et en fait, il y avait également à bord la déléguée syndicale de Gérone. Donc, c'est un drôle de hasard quand même qu'ils veuillent organiser une réunion alors que ses représentants ne peuvent pas y participer. Alors, on nous a changé notre contrat. Et en fait, au lieu d'avoir un contrat à temps plein, c'est un contrat à temps partiel. Ce qui veut dire en fait qu'ils considéraient en fait que 3 mois par an, nous étions comme en vacances, si vous voulez. Alors que c'est franchement tout à fait autre chose. Alors, ils nous ont dit que nous avions 7 jours de délai pour signer ce nouveau contrat. Et après quoi, ils décideraient si la majorité des travailleurs avaient signé, la base de Gérone pouvait rester ouverte. Le 6, on nous a communiqué que la base demeure ouverte. Avec l'aide des syndicats, certains d'entre nous ont envoyé ce contrat avec une annexe à l'entreprise disant qu'il y avait des clauses, à notre avis, qui devraient être révisées par l'inspection du travail espagnole. Alors, nous avons vraiment dit ce qu'il en était par toutes sortes de moyens et nous avons contacté, bien sûr, l'inspection du travail. 2 jours avant d'envoyer ce mail à l'entreprise, il n'y a aucune clause qui a été changée. Nous n'avons rien changé, mais il y avait en fait une lettre complémentaire qui l'accompagnait. Nous avons dit que nous avions envoyé cette lettre. Et ils ont considéré que cette lettre voulait dire que nous n'acceptions pas le contrat et qu'au 1er janvier, nous serions à la rue. Alors, bien sûr, nous avons dénoncé ce contrat et ce matin, l'inspecteur du travail est venu à l'aéroport de la base de Gérone. Et j'aborde ce sujet pour voir, en fait, jusqu'à quel point on nous menace. Il y a une coercition. Et c'est franchement, comme le disait mon camarade Ernesto, lorsqu'on en arrive aux instances juridiques, qui va se rappeler qu'il y avait une base aux Canaries et qu'il y a 400 travailleurs qui ont perdu leur emploi? ¿Querías comentar algo a alguien más de la mesa? Cogemos más... Y a-t-il d'autres commentaires, des questions encore? Ou des réponses aux questions? Moi, j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Je suis un peu fatiguée, là. Mais toujours est-il que j'aimerais également répondre avec une autre approche. J'aimerais peut-être, de cette manière-là, répondre un peu à ce que tu m'as dit. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de discussions. Alors, tu l'as dit, effectivement. On a un peu parlé comme si nous étions des encyclopédies. Et lorsqu'on a 5 minutes, lorsqu'on a un titre... Et puis, il faut essayer de reprendre le plus d'éléments possible, ce que j'essayais de faire.
Dans le panel précédent, Philippe a parlé de l'individualisation, mais également de la lutte dans ce secteur-là. Si on n'arrive pas à avoir un groupe dans son propre secteur, on ne peut pas non plus s'unir à d'autres. C'est ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Cela rend également le modèle plus difficile d'établir des liens forts dans les différents domaines, avec notamment les conséquences sur un militantisme fort, par ailleurs. Et puis après, nous avons également parlé des conséquences liées à l'ubérisation au niveau social et pour les services publics. Alors effectivement, il y a toute une série de luttes, comme par exemple le SAD et d'autres choses, les retraités. Alors, tous ceux avec qui nous avons un contact constant, et nous sommes d'accord, enfin en tout cas, nous les retrouvons dans beaucoup de manifestations. Le procès de Juan Ruel, la salle se remplit de 15 retraités avec le t-shirt de la marée pensionniste, la marée des retraités, et ils sont venus nous rejoindre pour nous donner du soutien. Alors nous partageons tout ça avec beaucoup de groupements avec lesquels nous entretenons des liens très forts. Nous essayons toujours d'entretenir des liens très forts, voir un peu ce qu'il en est des similitudes entre nos luttes et les autres luttes. On a fait avec Ryanair, le point principal c'est l'égalisation, mais elle n'est pas appliquée, elle n'est pas respectée, et ce sont des éléments que nous avons en commun. Et puis on a également la quantité de similitudes que nous avons rencontrées. Et c'est toujours la question de l'application qui pose question. Alors il y a beaucoup d'appréciations auxquelles tu t'es livré. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à répondre. Je voulais contester también. Alors, je voulais juste rajouter deux points pour répondre à la question par rapport aux solutions. Alors au niveau européen, il y a plusieurs solutions qui se proposent à nous. Alors déjà, j'ai parlé tout à l'heure de la TFC qu'on a créée il y a un an. Mais il y a des moyens aussi de permettre aussi aux clients, aux consommateurs, aux citoyens européens de participer dans cette lutte. Il y a, en printemps de cette année, il y a une initiative citoyenne européenne qui a été proposée pour obliger toutes les plateformes à respecter un minimum horaire garanti pour tous les travailleurs et un minimum horaire qui serait défini par chaque État membre, mais ça permettrait d'avoir quelque chose qui est déjà un gros problème pour tous ces travailleurs précaires. S'ils sont précaires, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de pouvoir... pas de moyens, tout simplement. Et il y a aussi des armes qu'on a pu utiliser, comme le RGPD, qui a permis d'avoir quand même un droit sur nos données, et je pense que c'est une arme qu'on peut utiliser aussi au niveau européen, et je pense qu'il faut vraiment essayer de mettre la pression partout où on peut la mettre, donc que ce soit bien sûr au niveau local, ça on essaie de le faire du mieux qu'on peut, au niveau national, parce qu'il y a des législations qu'il faut essayer de changer, et au niveau européen, au niveau mondial, avec, comme tu disais pour l'OMC, etc. Je pense que le combat est partout, c'est un combat global, et qui va se faire à tous les niveaux où ça doit se faire. Pour répondre à la critique, je voudrais vous remercier de la critique, hein, parce que c'est toujours bon, hein, pour avancer et construire. Mais en ce qui concerne le taxi, je peux t'assurer que dans les 6 années que nous avons commencé cette lutte, en fait, nous faisons de la pédagogie, hein, et vraiment, je peux t'assurer que pratiquement, en fait, il n'y a plus en fait de taxis qui ne sont pas au courant, hein, dans le. Mais cela dit, faire une critique constructive. Et je ne sais pas en fait si cela dépend de vous, hein, mais par exemple, dans toute la pédagogie que nous faisons. Les taxis à Barcelone surtout sont dans de nombreuses plateformes comme pas de précarité. Donc dès qu'il y a un problème, en fait, on nous voit, nous sommes visibles. Eh bien, il faut appuyer ce genre de choses. Et je ne sais pas pourquoi les gens, en fait, ne se tournent pas vers nous. Je ne vois pas où c'est le problème. Je crois également que l'initiative comme celle de Mansaka
n'a pas l'appui nécessaire par les institutions publiques pour qu'il y ait un financement, par exemple, pour l'application, par exemple. Je crois que c'est un sujet sur lequel, en fait, on devrait insister davantage, parce qu'il faut en fait que nous nous aidions les uns les autres. Et il faut que les institutions nous aident également par ce type d'événement également. Merci. Oui, donc sur tout à l'heure, tu parlais de réglementation, de nécessaire réglementation. Alors évidemment, c'est ce qui est ressorti un petit peu de beaucoup de discours ici dans la salle, mais en fait, il faut quand même, je pense, remettre aussi en perspective la déréglementation. C'est pas seulement depuis l'ubérisation. En fait, les lois travail, c'est depuis 2003 en Allemagne, 2012 en Espagne. On tue le droit du travail depuis bien plus longtemps que depuis Uber, quoi. Hein. Donc, en fait, c'est une tendance très longue qui dure depuis 30 ans. Et l'ubérisation, c'est une couche supplémentaire, en fait, à cette déréglementation. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus focaliser uniquement sur Uber et voir que c'est, simplement, en effet, Uber ajoute encore des difficultés parce que il va plus loin dans ce qu'on a dit, les éléments de langage. Donc, il nie le travailleur, puisque, comme tu disais, donc c'est des agents, voilà, et c'est plus un équipage, c'est des partenaires et non pas des livreurs, etc. Pareil pour les tarifications, on dit c'est des tarifications, c'est pas des salaires. Donc on ne va pas négocier des tarifications, c'est des tarifications. C'est des shifts, c'est pas du temps de travail. Donc en fait, il y a une espèce de négation vraiment du droit du travail dans son ensemble, qui est très grave, qui fait un pas supplémentaire. Mais c'était juste pour remettre ça en perspective et pour dire que, en fait, c'est depuis 30-40 ans qu'on l'élimine, et que la loi travail en France, c'est El Khomri, c'est Macron, que voilà, donc ça vient de loin. Et ensuite, il y a un élément supplémentaire aussi, peut-être, où on pourrait aller chercher des solutions, peut-être, c'est que finalement, cette dérégulation, elle se fait aussi, c'est une régulation, mais qui n'est pas du ressort de la qualification, justement, comme c'était le cas du droit du travail, ou de la professionnalisation, puisqu'on perd la notion de métier, hein. Il n'y a plus de coursier, il n'y a plus d'équipage. Mais c'est en fait le consommateur qui devient la confiance. Enfin, c'est quand les consommateurs ont confiance dans les plateformes qu'elles fonctionnent, que ces entreprises fonctionnent. Donc c'est lui qui régule. En fait, c'est le consommateur qui devient le régulateur. Et là, je crois que c'est intéressant aussi de partir de là pour réfléchir un peu plus loin. Et voilà, et partir de cette vision de, puisqu'elles ne veulent plus qu'on soit des travailleurs, alors émancipons-nous du travail aussi. Bon, allons peut-être dans le... et voyons, mais au sens peut-être plus anticapitaliste. Voilà. Muchísimas gracias. Pues, si os parece, paramos ahora 15. Merci, nous pourrions faire une pause de 15 minutes et après on poursuivra avec le dernier panel. Nous avons le café qui nous attend.
Fabrice. Test. Il est 5h10. Et ça doit A ver, por favor, creo que deberíamos comenzar, si no... Je crois qu'il faudrait commencer autrement. En fait, nous allons avoir trop de retard. Prenez place, s'il vous plaît. On aurait essayé. Du coup. Parce que t'entends ces trucs et t'entends toujours quand t'es dans la salle, ça fait pas pareil. Apparemment, si on entend. Thank you.
Por favor. Bueno, vamos comenzando, si os parece. Eh bien, si vous en êtes d'accord, nous allons commencer, nous allons reprendre plutôt. Bueno, nos queda por abordar. Eh bien, nous allons aborder la troisième table ronde de cet après-midi. Alors, le temps passe et je dois vous dire que j'apprends énormément de choses. Je ne sais pas quelle est votre sensation, mais c'est une journée riche en informations très intéressantes. Et nous pensons à l'avenir et comment faire face à la précarisation économique. Dans la première partie de l'après-midi, nous avons parlé de l'ubérisation, de ce que c'est, de ce qu'est la précarisation économique dans différents domaines du travail. Dans la deuxième partie, nous avons parlé des luttes et des alternatives face à ce nouveau phénomène des plateformes. Et bien, dans ce troisième panel, dans cette troisième table ronde, nous avons réuni les législateurs. Pas tous et toutes, mais étant donné la situation du pouvoir politique pour discuter de l'orientation des nouveaux, de nouvelles législations, mais nous avons réuni les législateurs et qui vont nous présenter des ébauches de solutions. Alors, à cette fin, nous avons avec nous Leïla Chaibi, qui est députée européenne de la France Insoumise, UNGL, Barbara Gomez, qui est docteur en droit et qui travaille au Sénat français également, Idoia Villanueva, qui est, comme vous le savez, députée du Parlement européen, Podemos, GUE, NGL, Raphaël Mayoral, qui est un membre du Congrès des députés d'Espagne, Podemos, et Aina Beola, qui est directeur programme des Euskadi de Bildu, du Pays Basque. Alors, nous allons commencer et je voudrais vous demander de vous limiter à 5-7 minutes dans vos interventions et nous reprenons les orateurs dans l'ordre que j'ai indiqué. Leïla. Merci, Fernando. Alors, dans cette troisième table ronde, on va aborder les questions du débouché législatif. Comme ça a été dit dans les tables rondes précédentes, c'est vrai que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, le débouché législatif. On a voulu mettre en avant pendant cette conférence et puis également avec tous les événements parallèles qui ont été organisés dans le cadre de ce forum transnational des alternatives à l'ubérisation, mettre en valeur les alternatives comme CopCycle, mettre en valeur avant tout aussi et surtout les mobilisations et les luttes que les travailleurs ubérisés, les principaux concernés, avaient pu mener. Mais nous ici, en tant que parlementaires européens, au Parlement européen, on a notre rôle à jouer, nous ici. L'idée étant pas de se substituer à vos luttes que vous menez, mais bien de nous, de mener nos luttes à l'intérieur du Parlement européen pour voir de quelle manière on peut faire avancer le schmilblick, nous, à notre niveau. Les questions de précarité, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai commencé à militer. J'ai commencé à militer sur ces questions-là, avec notamment la question des stages. Les stages qui étaient censés être une période pendant les études où vous passiez un petit peu de temps au travail, vous étiez mis en formation et puis mis travailleur. Et en fait, les stages étaient utilisés par le marché du travail et par les entreprises comme une forme de sous-salariat. Et ça permettait ce statut de sous-salarié aux entreprises
eh bien, d'éviter d'avoir affaire avec le droit du travail classique, d'éviter de prendre des salariés et donc de leur donner la protection sociale qui allait avec et le droit du travail qui allait avec. Mais ce qu'on se rendait compte, c'est qu'en fait, les stagiaires effectuaient le boulot qui, normalement, devait être fait par des salariés. Et en fait, moi, j'ai l'impression que, donc là, à l'époque, comme moi, quand je militais là-dessus, c'était en 2005, Uber, ça n'existait pas. Deliveroo, ça existait pas. L'ubérisation, c'était un mot qu'on connaissait pas, qui existait pas. Mais comme ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure par à la conclusion de d'Anne Dufresne à la précédente table ronde, en fait, l'ubérisation, c'est une nouvelle manière, on a l'impression, enfin pour en fait casser le droit du travail, casser la protection sociale. Mais les stratégies du capitalisme pour contourner les obligations sociales, les droits sociaux, le droit du travail, c'est pas nouveau. Ça existait avant et ça a toujours été, on a l'impression qu'à partir du moment où on a eu l'invention du salariat, c'est-à-dire comment on va réglementer le lien de subordination entre le patron et le travailleur, comment on va encadrer ça et compenser le fait qu'il y a un lien de subordination, je bosse au service d'un patron pendant 8 heures, et bien en contrepartie j'ai des droits, et bien le fait d'avoir des droits ça a toujours embêté le capitalisme, et il y a toujours eu l'invention de sous-statut, de sous-salariat. Je vous ai parlé des stages, mais quand l'intérim a été créé, c'était aussi ça. Avec les CDD, quand on voit qu'aujourd'hui, en France, donc le contrat de travail normal avec tous les droits, ça s'appelle le CDI. Mais 80% des embauches se font dans ce qu'on appelle un contrat atypique, donc hors CDI, mais qui maintenant est devenu typique, où vous n'avez pas accès à l'intégralité de la protection sociale. Ça s'appelle CDD, ça s'appelle intérim, et ça, petit à petit, ça devient la norme. Et aujourd'hui, donc, il y a le travailleur ubérisé. Et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser donc au travailleur ubérisé, à l'ubérisation, c'était en rencontrant Jérôme Pimaud, qui n'était pas parmi nous aujourd'hui, mais qui a mené en France les premières mobilisations de Deliveroo. Et puis c'était à l'époque où, mais ça, Barbara à côté de moi, il reviendra quand elle va faire un point sur l'état du droit. Donc c'était à l'époque où il y avait le premier arrêt, donc Take It Easy, les premières requalifications des contrats des contrats en contrats de travail. En fait, comment en fait la justice reconnaissait que les travailleurs des plateformes, ben, ils avaient toutes les caractéristiques d'un salarié, qu'à ce titre-là, on devait reconnaître qu'ils étaient dans un lien, un rapport de subordination comme n'importe quel travail. Et donc alors en fait, avec moi, mes lunettes de militante anti-précarité, tout de suite, je me suis dit, ben, en fait, ce qu'il faut, c'est que les travailleurs des plateformes soient reconnus comme des salariés. Ce qu'il faut, c'est généraliser la requalification et faire des travailleurs des plateformes des salariés. Pourtant, je me suis rapidement aperçu en fait que, et puis c'est dans des discussions qu'on en avait encore dernièrement avec Jean-Daniel, que c'était pas si évident que ça, en fait. Et que le débat pour moi, dans ma tête de militante en dessus de précarité, était clair sur c'est du sous-salariat, en fait, il faut tous les reconnaître comme salariés. Chez les principaux concernés, il y avait une image du salariat qui était associée à un espèce d'esclavage, un espèce de truc où vous avez des horaires très cadrés et on passait à côté de la volonté, de la demande d'autonomie qui était très forte dans ce genre, dans ce type de secteur. Et bon, évidemment, parce que ce serait une absurdité de faire sans les principaux concernés. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment interrogée. Donc en parallèle de ça, donc petit à petit, mais ça là encore, Barbara y reviendra, il y a eu de plus en plus ces dernières années de décisions de requalifier les contrats des travailleurs en contrats de travail. Parallèlement à ça, il y a eu tout le débat qui a émergé sur le fait de demander un troisième statut, en fait. Il y a le statut, le problème, on l'a bien vu là cet après-midi dans le cadre du travail ubérisé, c'est qu'on est officiellement indépendant, mais qu'en fait on est complètement lié dans un rapport de subordination aux plateformes. On n'est ni indépendant ni salarié, donc a émergé petit à petit une idée qu'en fait il faudrait inventer un troisième statut, un troisième statut qui corresponde à ça. Et donc moi ici là au Parlement européen là, vous savez qu'il y a énormément de lobby ici. Bah, d'ailleurs Tito, je ne sais pas s'il est encore parmi nous, mais nous disait que même Elite Taxi donc s'était déclaré aussi en lobby pour prendre les armes de l'adversaire. Et en fait moi j'ai voulu rencontrer le lobby d'Uber et Deliveroo. Le lobby Deliveroo bon pour l'instant m'a toujours pas répondu, parce que peut-être qu'il se méfie un peu, mais j'ai rencontré les lobbyistes d'Uber. Et je m'attendais à ce qu'ils me disent « Ben non, mais tout va bien là, de toute façon, il n'y a rien à changer,
au niveau de la législation, les travailleurs des plateformes sont des indépendants, avec tout le vocabulaire que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est des missions, c'est une tarification. Enfin, il n'y a pas de rapport de salarié. Eh bien, figurez-vous que non, en fait. Moi, je me suis retrouvée face à un gars en face de moi, représentant d'Uber, qui me dit... Il y a vraiment un vrai problème, en fait. On est conscient qu'il faut plus de protection sociale. On est conscient vraiment qu'il y a besoin de protection sociale et que... Mais par contre, il faut surtout pas ce qui s'est passé en Californie. Hein. En Californie, donc, où les plateformes forcées de reconnaître par la loi le lien de subordination qu'il y avait avec leurs salariés, le fait que les travailleurs sont des salariés, donc ont droit aux droits des salariés. Donc là, il me dit non, il faut surtout pas. Là, par contre, c'est pas la peine. Mais par contre, oui, il y a besoin de protection sociale. Et donc, du coup, on est vraiment pour un troisième statut parce que c'est dans notre intérêt, en plus, que les livreurs, que les conducteurs, que les chauffeurs soient stabilisés parce que comme ça, il va y en avoir plus chez nous. Donc, on est à fond là-dessus. Et du coup, là, je me suis dit, oulala, attends. Si le mec d'Uber, qui est le lobbyiste, lui, il est à fond sur ce troisième statut, ça veut dire qu'il y a un loup, en fait. Ça veut dire que c'est le piège. Ça veut dire qu'il y a une arnaque derrière. Et qu'il ne faut surtout pas qu'on le suive là-dedans, qu'on aille dans cette direction-là. Et que là, il y a vraiment un piège. Alors en fait, si je m'intéresse de façon concrète à ça, c'est comme ça a déjà été dit, donc il y a une directive qui est à l'ordre du jour. Donc vous savez, les directives... Oula, je parle depuis 12 minutes ? Non, je crois que ça a commencé avant. Ah, ok, d'accord, bon. Non. J'ai eu peur, ok. Ok, je conclue là-dessus. Donc, les directives, donc vous savez, c'est les décisions qui sont prises au sein de l'Union européenne qui sont ensuite transposées par les États membres. Il y a une directive à l'ordre du jour sur les droits des travailleurs des plateformes qu'on va travailler. Donc, la Commission européenne nous dit au Parlement, tenez, voilà, nous, on vous met le titre de la directive, bossez là-dessus, vous pouvez présenter des amendements, en fait. Et donc, la question, alors, évidemment, qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on y met dans cette directive ? Qu'est-ce qu'on y met dans cette directive ? Et on y met ce que veulent les principaux concernés. Parce qu'il ne faudrait pas que cette nouvelle directive, ce soit encore une façon d'institutionnaliser le sous-salariat, comme ça a été le cas pour les autres propositions législatives qui sont quand le CDD a été inventé, quand l'intérim a été inventé. Et en fait, là, on ne ferait que légitimer, institutionnaliser une situation de précarité. Et... tout à l'heure, j'étais avec Barbara, donc comme ça a été dit en introduction, qui travaille au Sénat, et Pascal Savoldelli, qui est sénateur, donc qui a dû partir, mais qui est sénateur en France, qui ont travaillé sur une proposition de loi dont elle va nous parler, mais qui, en fait, a été faite après une audition des principaux concernés, et qui montre que c'est possible, en fait, de créer, non pas un troisième statut, mais de donner aux travailleurs des plateformes le droit du travail en entier et la protection sociale des salariés. Et que ça, c'est pas contradictoire avec la revendication d'autonomie. C'est pas parce qu'on est salarié qu'on est forcément soumis à des contraintes horaires fixes. Et je pense que pour contrer le discours sur la modernité de l'ubérisation qu'on nous présente comme en nous disant c'est la forme de travail du 21e siècle, vous êtes complètement, vous, has-been, avec votre CDI, votre droit du travail, je crois que la vraie modernité, ça va être notre capacité à adapter les protections sociales issues des luttes passer aux revendications du présent. Et la vraie modernité, ça va être la capacité d'offrir les droits, de permettre aux travailleurs ubérisés d'avoir les mêmes droits et la même protection sociale que celle qui prévalait jusqu'à maintenant, que celle qui était normale, tout en garantissant l'autonomie qui est un élément fort dans leurs revendications. Gracias por tu aportación, Leila. Y bueno, la próxima ponente. Nous allons écouter maintenant l'intervenante suivante. Inutile de la présenter parce que vous la connaissez, Barbara Gomez. Nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement qui est nécessaire et merci pour cette invitation par ailleurs. Je vais prolonger un petit peu ce qui s'est dit aujourd'hui ici et ce que tu viens de dire sur justement l'aboutissement de cette logique néolibérale qui vise à casser le droit du travail, à précariser les travailleuses et les travailleurs. Les plateformes numériques de travail, elles réussissent finalement à
à représenter une forme de cheval de Troie contre l'emploi. Alors, pourquoi je dis contre l'emploi? Et là, je vais dire bon courage aux traductrices et aux traducteurs, parce que je ne sais pas comment cette subtilité peut être traduite. Mais ces plateformes, elles n'offrent pas de l'emploi. Elles offrent du travail. Elles proposent une activité sans la protection du statut qu'offre le droit social, c'est-à-dire le droit du travail qui permet de résister au pouvoir de l'employeur. Et elles n'offrent pas non plus de protection sociale, c'est-à-dire la protection qui vous permet de continuer à survivre si jamais il y a un aléa qui affecte votre capacité à travailler. Donc on a affaire à des plateformes qui n'offrent pas de l'emploi, mais du travail sans statut. Et ça, c'est vraiment très important de le souligner. Je vais essayer vraiment brièvement de brosser le portrait des perspectives juridiques qui se présentent aujourd'hui en France, et en espérant qu'elles puissent nous éclairer toutes et tous sur ce qui est possible de faire et sur ce qui se trame. Je dis ce qui se trame parce que en France, on voit vraiment qu'il y a un bras de fer qui oppose aujourd'hui les juges qui vont vouloir requalifier les contrats de prestation de services en contrat de travail, et d'une part le législateur qui lui veut justement offrir aux plateformes la possibilité de se déployer sans avoir à s'embêter avec l'obligation de respecter le droit, que ce soit le droit social mais aussi le droit commercial, le droit fiscal, etc. Ça a commencé ce bras de fer, on va dire, avec déjà la loi dite El Khomri, la loi travail. Cette loi travail, en fait, elle est intervenue alors même qu'on avait eu une décision de la Cour suprême, alors de Californie à l'époque, l'arrêt Beveridge, qui justement revenait sur cette qualité de pseudo-indépendant des chauffeurs de VTC, donc les véhicules de transport avec chauffeur, et qui avait bien dit effectivement que on était face à du salariat. Alors c'est quand même la Californie, le berceau de ces plateformes et de cette économie, donc ça pouvait être évident a priori que si ça commençait à requalifier là-bas, on devrait requalifier ici, mais c'est pas forcément ce qui s'est passé. Et comme il y a eu de gros mouvements sociaux qui ont opposé notamment donc les VTC et les taxis, la loi El Khomri a introduit des dispositions qui étaient censées s'appliquer à ces travailleurs-là. Elle fait entrer dans le code du travail des dispositions, je cite, qui sont applicables aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique. Alors, en disant mise en relation, déjà, tout de suite dans le titre, qu'est-ce qu'on dit? On dit la plateforme, en l'occurrence Uber et compagnie, elle ne fait qu'être un intermédiaire. Elle n'est pas employeur. On est dans une relation un peu tripartite. C'est un peu le Tinder du transport, quoi. Je permets une rencontre entre, d'un côté, quelqu'un qui veut se déplacer et quelqu'un qui a envie de conduire. En réalité, évidemment, vous voyez que c'est pas ça, on le sait très bien. D'ailleurs, l'arrêt Elite Taxi contre Uber, Espagne, a été très clair en la matière. L'arrêt donc rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, cet arrêt est très clair. Ce n'est pas, Uber n'est pas une plateforme d'intermédiation. Son activité, c'est le transport. Et ça, c'est important en droit commercial, mais c'est aussi important en droit du travail, puisque si on nous dit que c'est juste de l'intermédiation, le droit du travail n'a pas vocation à s'appliquer. C'est pour ça qu'ils jouent beaucoup avec le langage et qu'ils font semblant que, évidemment, il n'y a absolument aucun problème et que la législation n'a pas spécialement besoin d'être modifiée. Alors évidemment, la suite de tout ça, en France, c'est l'arrêt Take It Easy, décision pour laquelle, à l'occasion de laquelle tu as rencontré donc Jérôme Pivot, manifestement. Cet arrêt Take It Easy, Take It Easy, c'était une plateforme donc de livraison de repas avant Deliveroo, et le 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation, elle va se prononcer en faveur de la requalification d'un contrat de prestation de service d'un livreur en contrat de travail. Elle va effectivement considérer qu'il n'y a absolument pas de prestation de service, il n'y a pas d'intermédiation. La plateforme, elle exerce bien un pouvoir de contrôle et de direction permanent sur le travailleur. Et cet arrêt
Beaucoup ont dit en France, mais non, c'est un arrêt d'espèce, c'est-à-dire qu'il n'a pas vocation à se généraliser. Vous verrez, c'est juste quelque chose d'anecdotique. Pourtant, la Cour d'appel de Paris, le 10 janvier 2019, va aller dans le sens de la Cour de cassation, donc dans la chambre sociale, et ce faisant, se dessine déjà une jurisprudence qui commence à être appliquée absolument partout en France, qui va requalifier donc en salariés ces travailleuses et ces travailleurs. Alors évidemment, vous pensez bien que le gouvernement français qui est pro-plateforme n'a pas entendu laisser l'affaire de cette oreille. Et donc, on a eu la loi Avenir professionnel et la loi d'orientation des mobilités, la LOM, qui nous ont proposé une charte de responsabilité sociale. Alors qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir qu'en septembre 2018, à l'occasion de l'examen d'une loi qui s'appelait, le projet de loi qui s'appelait Avenir professionnel, on a un amendement qui a été introduit dans cette loi par un député de la majorité. Et cet amendement nous visait à dire, écoutez, il faut absolument sécuriser les plateformes contre le risque de requalification. Je vous assure que c'est ce qui est écrit. On sécurise les plateformes et le risque contre lequel il faut être sécurisé, c'est donc le droit du travail. Voilà. Donc l'objet de cet amendement, c'est vraiment pas de protéger les travailleuses et les travailleurs, mais vraiment les plateformes, c'est écrit noir sur blanc. Et donc à la place du droit du travail et de la protection sociale, on propose que les plateformes établissent des chartes, je cite, déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale, donc la responsabilité sociale de la plateforme, définissant les droits et obligations de la plateforme, ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Donc on est vraiment... En gros, on donne la plume aux plateformes, on leur dit bah, « faites quelque chose, vous pouvez déterminer vous-même ceux qui vous lient et dans quelle mesure ça vous lie ». Alors, cet amendement, il a été considéré comme cavalier législatif dans la loi. Donc ça veut dire qu'en gros, ça n'a rien à voir avec le projet de loi, l'amendement. Donc il a été écarté par le Conseil constitutionnel. Mais pour mieux revenir dans une autre loi, donc la LOM, la loi d'orientation des mobilités. Et donc dans l'article 20 de la LOM, on a cette charte qui revient encore plus détaillée et qui vise donc à écarter l'application du droit du travail au profit de l'édiction de chartes, donc pensées, écrites, par les plateformes et sur lesquelles, si vous voulez, on pourra revenir si vous avez des questions. Face à ça, il s'avère qu'il y a une réponse dont Leïla Chebbi a parlé tout à l'heure, qui est portée notamment par les sénatrices et les sénateurs du groupe CRCE, communistes, républicains, citoyens et écologistes. Et qui vise justement non pas à aller vers un troisième statut qui effectivement n'a vocation seulement qu'à écarter l'application du droit du travail, mais à faire revenir vers l'empire de la législation, dans l'empire de la législation sociale, les travailleuses et les travailleurs des plateformes. L'idée, c'est de dire oui, c'est vrai que le code du travail a été pensé pour une organisation très hiérarchisée, avec un lieu de travail fixe, des horaires fixes, quelque chose de plus ou moins stable, les 35 heures, etc. Donc évidemment, il y a des choses sur lesquelles ça va coincer parce que le travail ne se passe plus forcément comme ça et que les livreuses, les livreurs, les chauffeurs, etc. n'ont pas forcément envie d'être dans ce cadre de 35 heures. Ils ont envie de travailler 10 heures s'ils veulent une semaine et 40 heures la semaine d'après s'ils veulent. Et dans le cadre des limites évidemment définies par les directives européennes en la matière, pourquoi pas effectivement déterminer ces plages horaires, etc. Ça, on ne voit pas pourquoi ce serait un problème si le travailleur a envie de le faire. Donc l'idée, c'est de dire, on va utiliser une règle dans le Code du travail qui est effectivement, en tout cas je parle pour la France, extrêmement moderne. Il est déjà très flexible, donc il n'y a pas de souci. Et on va aller vers une partie du Code du travail qui a vocation à s'appliquer à des gens pour lesquels il peut être des fois difficile de prouver leur subordination ou pour lesquels on a décidé qu'il n'y avait de toute façon pas à la prouver, que ce soit difficile ou pas. Les journalistes pigistes, les voyageurs représentants passés, les mannequins, etc. Et du coup, on les a intégrés, notre idée c'est de les intégrer au Code du travail, de les assimiler aux salariés, tout en leur offrant des protections spécifiques, finalement des petits ponts pour
permettre l'effectivité des droits du travail et de la protection sociale. Typiquement, la possibilité de négocier tous les ans collectivement avec des représentants de travailleurs les rémunérations, les modes de rémunération, en déterminant une base minimum horaire garantie, un accès à la protection sociale, le licenciement, le régime du licenciement, pour pas qu'il y ait de désactivation sans cause réelle et sérieuse, etc., etc., l'accès à un data scientist. Bref, si vous avez envie d'en savoir plus, évidemment, je peux vous communiquer ce projet de loi qui est en prévision. Et en vraiment, le but, c'est qu'on ait un droit social plein et entier qui s'applique dans ces logiques comme dans ces protections, en adaptant les dispositions pour permettre l'effectivité dans l'entrée du salariat et un salariat qui ne soit pas maltraité par les organisations capitalistes, mais protégé par des droits individuels et surtout collectifs. Merci. Muchas gracias, Bárbara, por tu aportación. La siguiente oradora es... Nous allons écouter maintenant l'artiste suivante. Merci beaucoup. Fernando. Alors, en fait, tu l'avais dit au début. Alors, effectivement, j'ai rappelé où est-ce que nous en sommes dans le Parlement européen. C'est la seule institution européenne, démocratique, pour dire les choses ainsi. Alors, ils ont été élus par ces citoyens, mais il n'y a pas de capacité législative, aucune capacité législative. Es diferentes directivas. Nous avons différentes directives, comme ça l'avait été dit par les camarades, qu'il faut ensuite transposer dans différents pays et intégrer dans les législations de différents pays. Et là, il y a quand même pas mal d'éléments, le 153, notamment de l'ETFUE. Nous avons quelque chose qui dit que l'Europe peut compléter la sécurité sociale, la protection sociale, la législation propre, la directive qui est sortie en 2019, la 11152, notamment pour ce qui est des questions de travail, qui fait référence notamment au nouveau mécanisme lié au travail. Nous avons également l'arrêt du tribunal de Luxembourg, la collègue en a parlé, sur Uber, qui évoque des limitations comme entreprise de transport, mais nous devons être très réaliste. Nous devons savoir un peu dans quelle Europe nous vivons. No puede legislar, el Parlamento no puede legislar, pero sí existen mecanismos. On ne peut pas légiférer, mais il y a quand même des possibilités de susciter dans les différents États membres une sorte de voie de dépense, une limitation dans les budgets de l'État. Alors bon, ici, lorsque nous parlons de conditions de travail, ou lorsque nous parlons ici de droits fondamentaux, des différentes personnes dans nos différents pays, là, nous avons quand même des mécanismes, une commission. Nous avons également un Conseil européen qui fait également son travail. C'est ce qui est en fait en discussion, c'est ce qui fait l'objet de litiges au sein de l'Europe, le modèle global. Lorsqu'il y a augmentation de la désaffection pour le projet européen dans les différents États membres, c'est clair que c'est une conséquence d'un État-providence dans les différents États membres et qui a été détruit sur base de toute une série de politiques austères, très austères. Alors en fait, c'est ce qui est vraiment ce qui est au cœur du débat. Lorsqu'on ne lutte pas clairement contre les paradis fiscaux, on ne lutte pas contre ces modèles nouveaux d'exploitation. Lorsqu'on ne lutte pas contre ces portes tournantes, on ne lutte pas contre ce nouveau modèle de travail. Comment peut-on lutter contre ce modèle si on a une nouvelle Commission européenne où certains commissaires sont en fait membres de certaines entreprises qui justement font tellement de dommages à nos pays, occasionnent tant de dommages. Alors nous devons vraiment savoir ce que nous en sommes et où nous trouvons. Legislar o transponer esas directivas y cómo estamos viendo la presión de los diferentes lobbies por. On peut les caractériser de maison de Paris en quelque sorte et au travail pour ces entreprises-là. Alors effectivement, on peut caractériser cette nouvelle situation de la manière suivante. Ce qui est très important ici, ce qui est fondamental, ce sont justement d'avoir des journées comme aujourd'hui. Concrètement, pouvoir nous mettre en contact, pouvoir avoir des réseaux communs entre nos différents États membres, entre différents membres de la société civile, parce que nous pourrons changer les choses dans nos parlements nationaux, mais également dans le cadre des directives européennes, si l'on peut avoir une pression sociale suffisante. Et à cette fin-là, nous avons besoin de sensibiliser l'esprit collectif et notamment reprendre tous les éléments dont nous avons parlé aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de la défense des droits du travail de chacune et chacun d'entre nous. Ce qui importe ici, c'est l'État et le modèle
qui est en jeu. Voilà, je me rends maintenant à notre camarade Rafa Mayal. Je ne cesse d'apprendre de lui et nous pourrons ensuite débattre. Cuando quieras, Rafa. Venga, vamos a por ello. Attends, bien. Certaines choses, en fait, sont un peu hors sujet par rapport à ce qui a été dit, mais je vais essayer de créer un lien. Tout d'abord, je crois qu'il est important que nous comprenions pourquoi nous utilisons ce concept d'ubérisation. L'ubérisation, ce concept, il ne faut pas, en fait, se tromper. En fait, on utilise le processus de numérisation, mais l'ubérisation économique se fonde essentiellement sur un élément clé de fraude fiscale qui trouve ses racines dans les paradis fiscaux. C'est un capitalisme financier vautour. Et deuxièmement, précarisation de la vie, pas simplement du travail, hein, mais de la vie également. Et troisièmement, une attaque au principe de la légalité et de souveraineté populaire comme élément central. Et le modèle d'ubérisation de l'économie est un modèle qui se produit lors de développement dans l'ère de la numérisation. L'ère de numérisation, oui, donne des outils qui sont utiles à certaines parties du capital financier pour pouvoir imposer un nouveau modèle économique. Mais ce qui est certain également, c'est que ce modèle ne se cimente pas simplement dans le processus de numérisation, mais ce processus de numérisation est auxiliaire, parce que ce processus de numérisation pourrait permettre d'améliorer les conditions de vie pour que les gens travaillent moins et dans des conditions meilleures. Si nous avançons, nous avalons en fait tout ce qui nous est dit, nous nous trompons. Alors je crois qu'il faudrait partager des expériences, pas simplement des livreurs, des taxis et Uber, mais également que nous voyons des modèles comme celui dont on parlait, Ryanair. C'est un modèle d'ubérisation, ça, même si tous les éléments de la numérisation n'y sont pas appliqués. Je voudrais également vous dire qu'il y a un élément de relation directe avec le processus de précarisation de la vie, parce qu'il est important que nous voyons ce qui est remis en question et quelle est l'approche qu'il y a dans ce nouvel modèle économique. Et en fait, ils veulent que nous... Il n'y a pas de pierre philosophique qui nous permette de trouver une solution, hein, mais ce dont il s'agit, c'est de mettre en œuvre des dynamiques complexes qui soient en mesure de permettre la lutte du mouvement ouvrier, qu'il puisse en fait arriver à lutter contre ce processus d'externalisation des services qui change le centre de travail pour l'ensemble de la ville et en même temps créer un lien avec la lutte populaire pour le territoire et en même temps voir comment le mettre dans le cadre de la défense des conquêtes démocratiques qui se sont développées au cours des 200 dernières années. Comme je le disais, le processus d'ubérisation économique a des éléments clés qui sont fondamentaux pour voir comment on nous défend. Précarisation des relations sociales. Et là, je crois que le plus évident, bien sûr, c'est ce qui se passe dans les relations de travail et l'utilisation du concept d'ubérisation est lié à quelque chose dont on a parlé aujourd'hui, à savoir le modèle d'Uberpop qui suppose qu'un particulier puisse assurer une prestation de travail, c'est-à-dire sans payer des impôts, sans aucune responsabilité à l'égard du consommateur. Peut-être que ça paraît secondaire, mais c'est la reconnaissance de l'inégalité entre la population et les relations qu'il a avec les entreprises et les multinationales dans des relations juridiques inégales. La question essentielle de la fraude fiscale avec les paradis fiscaux, c'est un modèle d'économie extractive, c'est un élément central hein, qui attaque un élément essentiel de la démocratie. Parce que ceux qui gagnent le plus devraient gagner le plus. Et le modèle d'ubérisation se fonde justement sur le fait qu'ils ne payent pas. Et là, je voudrais créer un lien. Quel est le modèle ? En fait, c'est un modèle de base. Le modèle de paradis fiscal, en fait, il y a des pays qui sont des paradis fiscaux, comme le Luxembourg, avec la législation qu'a les Pays-Bas pour les grandes multinationales.
qui favorise la fraude fiscale. Et le contrôle du territoire est un élément central. On veut générer des politiques de monopole dans des secteurs économiques stratégiques. La logistique est un secteur économique stratégique. Mais voyons quel est le modèle d'économie que l'on envisage pour les logements. Il y a en fait des vautours là, dans cet élément de logement, alors que c'est un élément clé pour les personnes. On voit la précarisation de ces relations contractuelles entre les locataires et les grands fonds qui ont la propriété de ces logements. Et il y a également des modèles de société qui sont créés avec un seul objectif, ne pas payer des impôts, permettre qu'il y ait des investisseurs qui ne payent pas des impôts alors qu'ils trafiquent sur des éléments essentiels comme les logements. Alors cela s'étend de plus en plus hein, dans les secteurs économiques. Il ne faut pas penser que l'industrie va être exclue de ce modèle économique. Il ne faut pas se tromper. Ce modèle de relation de travail fondé sur le contrat heure zéro, en fait, est le fer de lance des choses. Quand est-ce que nous allons avoir une application dans notre mobile qui va nous dire quand nous devons y aller travailler ? Ce modèle inclut pour ceux qui ont déjà l'application sur le mobile. Et finalement, en fait, il y a une espèce d'enchère hein, et de concurrence absolue. Il s'agit d'individualiser les relations du travail et en terminer avec le droit du travail, en terminer avec le droit du travail comme élément central et revenir au XIXe siècle. Et cette approche, en fait, c'est celle-là qu'il y a également il faut en tenir compte dans notre lutte. Et on voit, en fait, le lien qu'il y a entre les locataires et les grands propriétaires. Il faut voir, en fait, quels sont les droits syndicaux des travailleuses et des travailleurs. C'est un élément essentiel. Il faut mettre cela sur la population a le droit également d'avoir des négociations collectives avec les responsables de l'accès à des biens de première nécessité comme le logement. Et nous le voyons dans différents secteurs. Mais cela va bien au-delà. Hein. La santé également, en fait, doit être mise sur la table. Il y a déjà des applications qui sont vendues en disant que le médecin peut te traiter grâce au téléphone portable et cela peut faciliter l'accès à la santé par ce processus de numérisation. Mais là encore, hein, c'est un processus de privatisation de la santé publique. Et cela par le biais, en fait, d'externalisation et de sous-traitance. Et en fait, c'est la même chose, toujours le transfert de revenus au capital financier qui va aller finir dans un paradis fiscal. Par le biais, en fait, de l'architecture de la fraude fiscale. Donc, on peut citer d'autres exemples. Les femmes qui travaillent dans des hôtels, et c'est l'activité principale d'un hôtel, mais on ne les reconnaît pas comme travailleuses. Et il y a d'autres exemples. Hein. Le grand projet de la privatisation de la sécurité sociale. Et là, il y aurait un transfert de... Parce qu'en fait, on est dans une caisse de sécurité sociale et quand quelqu'un ne peut pas travailler, il a quand même une certaine sécurité. Mais si, en fait, il y a transfert à des fonds de pension, il y a des fonds comme Blackstone, en fait, qui spéculent dans le domaine des logements et qui établit des mécanismes d'économie extractive par... Donc, c'est un modèle d'économie extractive. Alors, face à cela, il faut absolument structurer des politiques public de défense de la souveraineté populaire. Il faut vraiment qu'il y ait une interaction entre l'élan du mouvement populaire et la territoire. Face à cette économie extractive, afin de vraiment impliquer les institutions publiques, il ne va pas y avoir une seule institution publique qui peut trouver une solution. Il faut vraiment articuler cette lutte populaire et cette lutte du mouvement ouvrier afin que cela entre en interaction avec la législation
nationale, législation européenne et la législation régionale. Et il faut bien comprendre qu'il y a une approche qui pose un problème. Le problème, pour le moment, c'est la légalité, parce que cela va bien au-delà de la légalité qui est très dure pour le secteur populaire. Et le problème va rester. Le problème va rester. C'est-à-dire que la déréglementation et la possibilité d'ouverture d'un processus de légalisation de conditions de travail illégales imposées par ces entreprises, eh bien, on va essayer de le faire ici par le biais de directives, parce qu'ils savent qu'il est beaucoup plus difficile de le faire dans le cadre national. Et cela, il faut le comprendre. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des rencontres transnationales de différents mouvements sociaux, de différents mouvements populaires et de différents groupes dans le cadre de l'emploi qui nous permettent de réfléchir. Et si les grands monopoles sont capables d'avoir des mécanismes de pression sur les institutions européennes pour ouvrir en fait cette voie par directive, il faut qu'il y ait un message très clair à l'adresse de la Commission européenne que du côté des secteurs populaires, on a la capacité également de répondre à cela et qu'il y a des représentations publiques dans les institutions qui vont être aux côtés, à nos côtés pour mener cette bataille. Parce que pour le moment, nous sommes dans une logique de résistance, dans une logique de conforter notre élan. Mais il faut comprendre que ici, il va se passer des choses. Et la directive, en fait, une fois qu'elle est approuvée, les États sont obligés de la transposer. Donc, si la directive ouvre une voie, il faut vraiment être en mesure d'apporter une réponse. Et enfin, et pour terminer, je crois qu'il y a une logique fondamentale qu'il est nécessaire d'articuler pour répondre à l'ubérisation, à l'imposition de la culture de « moi, je n'ai besoin de personne pour résoudre l'avenir ». Il faut avoir la logique inverse, la fraternité et la solidarité populaire comme un outil de construction politique qui nous permette de faire face à ces grands monopoles dans un avenir où nous serons joints, où nous serons tous ensemble ou alors on se laissera dépasser. Alors c'est une bataille dans le domaine de l'économique, du social et également dans le domaine culturel et j'en termine là-dessus. Certains disent que l'ultra-droite va essayer de pénétrer les secteurs populaires et de faire des propositions sociales. Je ne suis pas d'accord. Elle va essayer d'imposer la culture, sa culture au secteur populaire. Elle va essayer que pour un travail puisse travailler au-delà du salaire minimum. Et les travailleuses et les travailleurs ne peuvent pas renoncer individuellement à leurs droits. Voilà, c'est de cela dont on parle, de la récupération d'un modèle qui est autoritaire au plan politique, autoritaire au plan social et au plan économique. Et il y a eu un exemple fondamental au cours des derniers temps. Et cela a donné, en fait, est à l'origine de l'approche de Orban, etc. Merci. Bueno, pues muchas gracias, Rafa, y cerramos. Merci, Rafa. Nous avons ici Ainhoa Viola, nous allons l'écouter. Voy a hablar en castellano en lo que conseguimos tener la décimotercera. Alors, bon, je vais parler en espagnol, puisque nous avons l'interprétation vers cette langue, à partir de cette langue, et pas d'autres. Alors, toute la journée, nous avons parlé, en fait, des différentes complications liées au droit du travail. Et nous savons également beaucoup ce qu'il en est chez les femmes, parce qu'on nous parlait ici de mobilisation, mais tout ce dont nous avons parlé pendant des décennies, c'est quelque chose dont nous avons souffert dans les différents secteurs, nous autres, les femmes. Et nous parlons ici de précarisation, d'exclusion, de conditions de travail, de conditions indignes. Enfin bref, on pourrait multiplier les termes. Et en fait, de ce point de vue-là, nous sommes des femmes, donc on continue d'occuper l'espace productif et reproductif également. Alors, le reproductif, c'est à 100% du temps. Et alors, pour ce qui est du productif, nous sommes mal représentés. Et le débat revient toujours sur les femmes à toutes les occasions. On a également la question raciale, on a également la question des femmes plus jeunes, plus âgées, les femmes qui, en fin de compte, sont situées à la marge, de la marge. C'est pour cette raison-là que, même si toute la journée, nous avons parlé des plateformes différentes, et j'aimerais ici parler de nous autres, les femmes, dans mon intervention, parce que nous parlons des droits du travail, là nous parlons de droits du travail de tous et toutes. Nous occupons l'espace que nous occupons,
Et soit nous nous unissons dans cette lutte-là, parce que cette lutte est unique, ou alors sinon nous ne pourrons pas avancer. C'est évident. J'aimerais ici mentionner les centaines de camarades qui sont à Biscaya et qui sont depuis un an en grève dans les résidences pour personnes âgées pour avoir des conditions de travail dignes, et c'est un minimum, qui luttent également pour leurs conditions de vie. J'aimerais également saluer les milliers de femmes qui, tous les lundis, descendent dans les rues pour réclamer des retraites décentes, notamment à Escaleria, parce que ce sont ces femmes-là qui sont les plus précarisées, parmi les plus précarisées. J'aimerais également mentionner quelque chose, toutes les femmes qui, justement, s'occupent de nos enfants, de nos personnes âgées, de nos personnes dépendantes, mais également s'en occupent maintenant, parce que sinon certaines personnes ne pourraient pas être là, en échange de salaires misérables, sans droits, sans prestations de chômage, et beaucoup trop de fois, avec des journées de travail de 24 heures, 7 jours sur 7, on est rémunéré à hauteur de 700-800 euros. Trop de fois, c'est ce qui arrive, dans le meilleur des cas. Parce qu'aujourd'hui, une camarade m'avait dit qu'elle venait de se rendre à une entrevue de travail et lui proposait 250 euros par mois pour ces conditions-là. Avec notamment des conditions de travail, des inspections de travail n'existent pas. Et puis alors, ça s'indiquait, c'est impossible parce que ce n'est même pas quelque chose qui est reconnu comme étant un collectif du monde du travail. J'aimerais également aussi autre chose. Je m'adresse ici à toutes les femmes qui nettoient nos bâtiments, qui gagnent 20% de moins que les camarades qui nettoient les rues à l'extérieur du bâtiment. Et notamment les femmes qui occupent l'espace de service, elles ont déjà été mentionnées, hôtellerie, commerce, santé. Et là aujourd'hui, d'ailleurs, on avait des camarades infirmières de Galice qui étaient là et nous avons pu nous joindre à elles dans la matinée, qui travaillent dans le secteur de l'éducation, qui est encore un autre secteur qui s'est précarisé, qui s'est privatisé au fil du temps. Donc finalement, en fin de compte, lorsqu'on parle d'ubérisation, on parle également des conditions de travail de toutes ces femmes, de nous autres. Qui que nous soyons, j'aimerais également mentionner Béatrice, qui de semaine est morte en Biscaye, après avoir passé 16 ans comme interne dans un domicile. Elle est tombée malade, elle est morte seule à l'hôpital. J'aimerais juste te rappeler son souvenir. Voilà, donc face à ce tableau, j'aimerais ici faire en sorte que nous évoquions la transition vers un autre modèle économique social, durabilité, économie collaborative, économie solidaire, mais également conditions de vie décentes. À cette fin, nous devons ici adopter des mesures législatives pour mettre un terme à ces situations abusives et sources de précarisation. Alors effectivement, il y a l'externalisation, c'est ce que nous constatons dernièrement. Donc en fait, l'objectif final, si nous poursuivons cette voie, nous n'allons pas l'atteindre. La bataille est large. Ce dont nous avons besoin, c'est de volonté politique, institutionnelle, claire et nette. Alors moi, en tant que citoyenne basque, ce que je fais, c'est depuis le Pays basque, nous devons essayer de mettre en place une République basque propre. Alors effectivement, l'Espagne, tout ce qu'elle nous donne, c'est la libéralisation des secteurs, avoir notamment une réforme du travail, des retraites, également pénalisation de la lutte. Je pourrais citer 750 cas, et puis il y a également indignité, indécence, tout ce que j'ai déjà mentionné maintenant. Aussi parce que tout ceci sera bon pour nous autres, entre citoyennes basques, mais également pour les citoyennes et citoyens du reste de la population espagnole, parce que nous prétendons ici construire une relation basée sur l'égalité, non pas l'inégalité, et basée sur la décence. Ce que nous souhaitons aussi avoir, c'est donc une République basque qui a une pleine capacité de décision dans le cadre basque, les relations de travail, protection sociale. Alors ce que nous souhaitons, c'est obtenir tout cela, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés pour autant. Alors ce que nous faisons, c'est que nous devons ici réfléchir à ce que nous pourrions faire à partir d'aujourd'hui, avoir les deux réformes de travail qui sont à l'heure actuelle en cours de traitement au niveau espagnol. Nous devons également surmonter ce qui se passe au niveau des genres au travail. Nous devons également dignifier ce travail, démocratiser ces relations de travail. J'insiste donc, pour ce qui est maintenant du domaine basque, nous devons nous éloigner de l'étatisation de ce qui se fait dans le contexte du travail, notamment ce que nous avons eu dans le cadre des deux réformes de travail qui sont à l'œuvre à l'heure actuelle, qui ont promu en plus la précarisation des conditions de travail, parallèlement au fait que cela limitait notre possibilité de négocier au niveau collectif. Nous devons ici appliquer les conventions collectives basques qui ont fait l'objet d'adoption par la majorité syndicale basque. En plus de tout cela, nous devons également approfondir l'introduction des clauses sociales dans les marchés publics
avec notamment garantie des aspects suivants, des conditions de travail dignes pour les travailleuses et travailleurs, mais fondamentalement pour les travailleuses. Des secteurs féminisés, de la résidence. Des secteurs féminisés, alors tout ce qui est nettoyage, service à domicile, le service en général, gestion des espaces les plus oubliés. Les plus oubliés parce que les moyens de communication, les médias, n'en parlent presque pas, n'insistent presque pas sur la question. Alors j'ai déjà parlé que nous avons des camarades qui sont maintenant depuis un an en grève dans les résidences pour personnes âgées et on n'en parle presque pas. On parle également du fait que on signe des contrats de travail, et ce serait nécessaire en tout cas que l'on puisse faire en sorte que les semaines de travail soient de 35 heures hebdomadaires, non pas 35 ans, ma langue a fourché. Alors il faut également gérer les déplacements entre les services, parce qu'il ne faut pas les impéter aux travailleurs qui offrent les services, travailleuses en l'occurrence. Il faut également voir ce qu'il en est d'absence, de congé pour maladie, prestations également pour ancienneté. On parle également de conditions de travail qui doivent présenter un minimum de dignité. Alors on a les clauses sociales, il faut avoir des plans d'égalité, mais également application des conventions en vigueur qui s'imposent aux différentes entreprises qui embauchent ces femmes et que ce ne sont pas seulement les femmes qui travaillent à temps partiel ou, et qui doivent payer pour ce travail à temps partiel. Il faut avoir le même salaire pour le même travail. Ce dont nous parlons aussi, c'est qu'on interdise la libéralisation du secteur du commerce pour les horaires, les ouvertures, les contrats poubelles, entre autres. Alors, au Pays Basque, on a le commerce qui... Le commerce, donc, n'a pas le droit d'ouvrir le week-end, certainement pas le dimanche. C'est lié à une lutte qui a eu lieu dans la rue et qui s'applique via les institutions. Donc, en fait, dernièrement, nous travaillons de manière coordonnée, chacun dans notre espace, et là je parle de l'espace de la rue, et c'est fondamental, mais je parle également de l'espace de travail, mais également de l'espace institutionnel. Les trois espaces disposent de leur propre autonomie, nous renforçons, nous essayons de nous articuler les uns par rapport aux autres, sinon nous ne pourrons pas aller de l'avant. Aujourd'hui au Parlement basque, il y a eu adoption à l'initiative de mes camarades, alors entre le PNU et le PC, nous avons différentes mesures que nous avons pu adopter, notamment dans ce domaine du travail. Nous avons également ici ces différents arguments qui nous viennent de l'ubérisation de l'économie. Nous avons là 7 points qui ont été retenus, 7 points qui ont été presque tous adoptés, notamment tout ce qui avait été évoqué ici. Les critères fiscaux, les conventions de travail, le droit à se syndiquer, ces 7 points qui ont été adoptés. Et en fait, cela a été fait parce qu'il y a une volonté politique institutionnelle qui a été promue aussi par ce qui s'est passé dans la rue. Alors la question est la suivante. La majorité du Parlement basque a adopté cela. Alors pourquoi ça ne peut pas être adopté ou appliqué dans le cas des camarades qui font grève dans les maisons de retraite pour personnes âgées, donc. Alors, parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Alors j'ai encore quelques secondes pour terminer. J'aimerais dire aussi autre chose. Ce que j'ai dit, c'est que nous devons en fait faire tout cela dans la rue, au travail, dans les institutions. Le 30 janvier, nous le ferons au Pays Basque. On a convoqué une grève générale où il est question d'une grève de la consommation, des soins, d'une grève générale, une grève pour créer des conditions de vie dignes. Et j'insiste, soit nous sommes tous ensemble dans la lutte, indépendamment de l'espace que nous occupons, indépendamment de l'endroit où nous nous trouvons géographiquement en tant que peuple, ou alors soit nous n'avancerons pas. Merci. En basque, pour finir. Bien, il s'est agi de 5 interventions absolument magnifiques. Et on s'en est tenu au temps prévu. Alors, nous avons un quart d'heure maintenant pour que vous puissiez poser des questions et mettre des avis. Alors, qui souhaite intervenir? Levez la main et je vous donnerai la parole. Ya? Sí, a ver. Vale, a mí me gustaría... J'aimerais savoir, de la part de Rafa, par exemple, ceci.
les positions que j'ai mentionnées sur les taxi projects et que nous sommes comme lobby, comment peut-on en fait se transformer en cela? Comment, puisque tu es beaucoup plus habitué en fait au plan politique, comment en fait peux-tu envisager cela? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui existe de ce genre. Alors, je ne sais pas. Il faudrait avoir des armes, des outils auxquels nous ne sommes pas très habitués hein, dans notre lutte. Merci. Nous allons regrouper trois questions. Je voudrais remercier Enoa d'avoir organisé cette réunion sur la précarisation et d'avoir souligné en fait la situation des femmes et des femmes migrantes qui travaillent dans des situations en interne et qui se trouvent dans des situations très difficiles. On a parlé en fait des algorithmes, des compagnies, etc. et on nous a dit qu'on revenait au 19e siècle. Et en fait, il y a également une dépendance à l'égard de l'Église, de l'Église évangélique et d'un système d'emploi qui donne des conditions indignes. Donc, ma question est celle-ci. Je voudrais en fait que l'on creuse davantage cet aspect-là. Je crois qu'il y a des choses qui sont assez simples et qui pourraient être faites. Je crois que ce Parlement a la capacité, peut-être pas pour légiférer, mais pour demander au gouvernement que l'Europe ratifie la Convention des travailleurs migrants et condamne et condamne l'État espagnol pour maintenir ces femmes dans un état d'esclavage, finalement, afin que l'État-providence puisse ne pas soutenir la situation de femmes qui sont dans une situation terrible. Ce sont des femmes pauvres et des femmes migrantes. Yo solo quería decir una... Je voulais dire une chose simplement. Tout ce qui a été dit, en fait, il faut l'obtenir grâce à la non-violence. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? 4. Bien, ces trois-là, et ensuite, Rafa. Oui, je crois qu'il est nécessaire d'utiliser tous les mécanismes et toutes les possibilités qui existent. Hein. Et il y a en fait des représentants ici au sein du Parlement européen. Et l'un des problèmes principaux qui existent en ce qui concerne les réglementations européennes, eh bien, c'est que nous sommes au courant de ces directives une fois qu'elles sont approuvées. Donc, il faudrait en fait... C'est difficile en fait de faire quoi que ce soit une fois que la directive en fait est déjà adoptée. Il y a un délai de transposition de la directive. Donc, je crois que c'est un champ de bataille fondamental que celui-ci. Il faut non seulement savoir ce qu'il en est, mais avoir la possibilité de discuter, comme nous l'avons fait aujourd'hui, la possibilité de se réunir avec la Commission européenne également pour discuter de ces choses. Et il faut que cela se fasse avant l'adoption des règles, afin d'avoir la possibilité de réagir et de répondre. Et s'il pouvait y avoir une organisation puissante en Europe qui puisse répondre au plan social, parce que ça existe dans les parlements nationaux, hein, lorsqu'il y a un projet de loi qui arrive au Congrès des députés, eh bien on peut quand même articuler un petit peu les choses. Au plan européen, en fait, je ne sais pas en fait si on peut vraiment avoir une réponse transnationale. Mais il va falloir avoir des réponses transnationales parce que les initiatives qui vont venir pour réduire les droits nationaux vont être en fait transnationales. Donc je pense qu'il est important que des initiatives de ce type puissent
être organisée pour l'ensemble de la population. Et je suis d'accord sur ce qui a été dit tout à l'heure. Il n'est pas admissible que les travailleuses, en fait, ne bénéficient pas du régime général de la sécurité sociale. Du point de vue juridique, en fait, c'est incompréhensible. Et du point de vue social, c'est absolument injuste. Et je crois que c'est l'un des éléments qu'il faut vraiment aborder. Mais j'ajouterai un élément. Tu as parlé, en fait, des intermédiaires également, les externes. Et là, il y a des applications informatiques grâce auxquelles on répartit le travail. On fait cela dans mon pays, en fait, par le biais d'une application. Et cela par l'algorithme. Con el segundo turno de preguntas, teníamos una allá al fondo. Alors, nous avons ensuite d'autres questions. Nous vous écoutons. Merci. En tout cas, c'était une intervention très intéressante. Alors, on a parlé ici de rendre compatibles les luttes. On a également parlé de la perméabilité des institutions publiques. J'aimerais que vous puissiez peut-être nous commenter ce qu'il en est. S'il y avait un gouvernement de coalition en Espagne, quelles seraient les politiques qui devraient être décidées? Hay otra por aquí adelante. Encore quelque chose ici devant de... Oui. Sí. Yo en la misma... En la misma línea que comentaba Rafa ahora, pienso que el... Alors effectivement, nous pensons que l'Union européenne détient un rôle central dans le processus que nous traversons ici d'ubérisation. Alors effectivement, on a plus de possibilités de réagir. Je demande lorsque nous sommes dans l'action. Alors nous avons eu la réunion avec la représentante de la Commission ou le représentant. En disant que ici les compétences étaient partagées. Alors il y a peut-être une confusion qui se crée. On ne sait pas vraiment où se diriger. Alors effectivement, on a le marché unique, mais également la libre circulation des capitaux au sein de l'Union européenne. Tout ceci joue un rôle central dans le fait que l'on puisse exercer un mécanisme d'extorsion, déplacer les entreprises, le capital. Je souhaite un peu vous poser la question, de savoir un peu comment vous voyez l'interaction entre ce que nous pourrons appeler la lutte pour la justice financière ou la critique faite au marché unique et toutes ces revendications du travail social. Reconstituer ici un pacte de travail, un pacte social. C'est un peu sur cette base-là que les mouvements luttent. Dans mon intervention, on évoquait ici les années 30, le New Deal, la nouvelle donne. On évoquait ici les conditions financières avec un nouveau pacte, avec les droits sociaux notamment. Et je crois qu'on a ici deux domaines, la dette, la justice financière et... Il faut faire accompagner cela de l'aspect du travail, mais également des droits sociaux. Laurent de Gousset, moi je représente le syndicat français Sud Commerce et Services, qui intervient auprès des travailleurs des plateformes depuis 2017, en particulier donc les livreurs. Je voulais signaler aussi une spécificité parisienne. Il y a d'autres métiers qui sont plateformisés. Vous savez tous que Paris est la première destination mondiale, donc on a aussi affaire à des guides touristiques plateformisé. Moi, je préfère employer l'expression plateformisé que ubérisé, c'est faire trop d'honneur à cette entreprise. Moi, je voulais revenir sur la directive que vous allez discuter. Selon moi, la clé de voûte, celle dont découlent tous les droits que ces travailleurs pourraient voir reconnaître, c'est le fait qu'on leur reconnaisse la possibilité de s'organiser collectivement. Concrètement, c'est la réponse à l'atomisation qui est la leur. L'atomisation de leur statut, des livreurs auto-entrepreneurs, prétendument indépendants, mais aussi l'atomisation en termes de lieu de travail. Il y a une expression que les livreurs français emploient, c'est « la rue est notre usine ». Voilà. Quand j'ai dit ça, je pense avoir tout dit. Dernier point, donc, madame, vous avez parlé de la loi L'Homme.
la loi Lhomme qui est actuellement devant le Conseil constitutionnel. On espère peut-être une heureuse surprise. La timide contrepartie de la loi offerte par la loi Lhomme au durcissement de la requalification, c'est normalement reconnaître d'ici un an par décret une représentation collective des livreurs. On voit que malheureusement les grandes plateformes Deliveroo, Uber sont déjà à la manœuvre. Elles sont déjà en train de recruter leurs futurs délégués. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par un système d'élection qui est l'expression démocratique, vous-même vous avez été élu, on va coopter évidemment des livreurs dont on espère qu'ils seront coopératifs. Voilà en tout cas où nous en sommes. Donc on a un an pour y répondre. Pour s'y préparer. Je terminerai en disant qu'en tout cas en France, depuis 2017, il n'y a pas eu un été où il n'y a pas eu une grève. Et à chaque fois, le motif de ces grèves, les grèves auxquelles ces travailleurs participent de plus en plus nombreux et qui durent de plus en plus longtemps, c'est le changement de la rémunération. Voilà comment nous sommes passés de la tarification à l'heure, à la tarification à la course, puis désormais à la tarification au kilomètre. Donc selon nous, et c'est une responsabilité, c'est vraiment mon dernier mot, du mouvement syndical, et le mouvement syndical a prouvé par le passé, à la fin du 19e siècle, qu'il pouvait organiser les travailleurs les plus précaires, c'était les tâcherons, c'était les journaliers. Il ne peut pas y avoir de changement durable dans les plateformes sans organisation massive de ces travailleurs. Merci. Eh bien, pour terminer, nous allons réunir encore les deux dernières questions. Je vous en prie. Non ? Ah si, tres, pardon. Si, resto, si, si. Ah, il y en a trois, oui. Je serai brève. Je suis Carole Morels, je suis chilienne. Je viens avec la délégation des Raiders por Derecho d'Espagne. Et je suis psychologue sociale également, comme Philippe qui a parlé tout à l'heure. Et je voudrais dire ceci. Les forces internationales dépassent les limites de l'Europe, hein, comme la plateforme qui dépasse ces limites-là. Alors, il est de l'intérêt, en fait, de nous réunir, et c'est ce qui a été dit par nos collègues de Californie. Il faudrait qu'il y ait une réglementation pour ce sujet, et il faut voir ce qui se passe dans d'autres latitudes, et je pense que l'alliance avec l'Amérique latine et au niveau mondial est importante parce qu'il y a ce point commun, il y a beaucoup de différences entre nous. Alors, les cadres institutionnels sont différents, mais ce qui est fondamental, c'est d'articuler cette diversité et cette force transnationale. Donc, je crois qu'il faut vraiment... Nous allons avoir une initiative dans nos pays et il faudrait en fait lancer une invitation parce que là, le débat est très avancé parce que l'ubérisation également, en particulier liée à la numérisation que Rafa a expliqué très clairement, est plus avancée ici. Donc, nous avons beaucoup à apprendre et il y a beaucoup à échanger également. Merci. Muchas gracias y recogemos la última. Merci. Et dernière question. En espagnol, moi aussi. Je viens, moi, de l'Assemblée des jeunes précarisés de Bilbao. Et nous voudrions apporter une contribution, parce qu'on parle beaucoup de loi ici. Hein. Nous pensons qu'il faut parler de loi, mais nous voudrions que... Il ne faut pas être trop confiant parce que nous savons que finalement, nous savons qui est derrière et qui a le pouvoir aujourd'hui. Hein. Nous savons qui est aux manettes. On a parlé de cette troisième figure, hein, l'indépendant numérisé. Moi, je crois, et nous croyons que toutes les attentes, les espérances de la victoire ne peuvent pas en fait se reposer sur une loi simplement. Je crois que s'il y a quelque chose qui va nous permettre de gagner, Rafa le mentionnait, c'est d'essayer de s'organiser pour que nous puissions lutter dans le cadre de ce nouveau paradigme. Et je crois que
différents groupes qui sont ici, les livreurs, les taxis, le montrent. Je crois que c'est la clé, hein, pour vraiment arriver à une victoire complète et qui présente des garanties. Alors, je voudrais lancer un appel à ces organisations. Parce qu'en fait, des personnes organisées et conscientes dans la rue, en fait, on ne peut pas les arrêter. Là, j'ai un guide pour la révolution et je crois que les gens de la gauche européenne doivent vraiment s'organiser et descendre dans la rue. Merci. Bueno, muchas gracias y ahora... Merci beaucoup. Alors, ceux qui souhaitent intervenir, n'hésitez pas. Fernando, je crois que tu souhaitais dire quelque chose. Ah non. Très enrichissante. Je vais répondre à certaines remarques. D'abord sur la nécessité d'organiser effectivement les travailleurs et travailleuses des plateformes et l'idée que la représentation collective est la clé. Oui, évidemment, c'est la clé et ça a toujours été le cas depuis toujours, même avant que le droit du travail soit droit du travail. Mais après, c'est aussi pour ça que notamment dans la proposition de loi que les sénatrices et les sénateurs communistes ont déposé au Sénat. L'idée, c'est vraiment d'appliquer le droit du travail et aussi, par exemple, d'adapter les dispositions à la spécificité de leur profession, notamment sur les questions de représentation et de négociation collective, en disant typiquement, ce sont essentiellement des travailleuses et des travailleurs qui sont jeunes, qui ne restent pas forcément longtemps, avec un gros turnover. Donc, si on applique la règle, par exemple, de présence dans l'entreprise depuis longtemps, c'est compliqué pour réussir à voter ou à se faire élire. Donc on a transformé les obligations de contrat, de travail en temps complet, etc., depuis tant d'années dans l'entreprise, en un certain nombre d'heures. Typiquement, un équivalent de 3 mois à temps plein, qui, alors je ne sais plus combien d'heures ça fait, ça permet de voter, et l'équivalent de 6 mois temps plein, ça permet de se faire élire, mais tout ça calculé en nombre d'heures pour pouvoir avoir une représentation qui soit une vraie représentation de travailleurs avec les critères classiques des représentants de salariés et éviter aussi l'apparition de ce qu'on appelle des syndicats jaunes. Et là, ça me permet de rebondir sur ce qu'est en train de faire Deliveroo en ce moment. Avec la charte qui est proposée par le gouvernement dans le cadre de la loi LOM, l'idée c'est qu'il n'y a plus de salaire minimum, il y a des garanties sur un revenu décent. Vous savez, comme dans les conventions de l'OIT pour les pays qui n'ont pas du tout de protection sociale et de droit du travail, on ne sait pas ce que c'est, si c'est un revenu minimum d'insertion, un SMIC, on ne sait rien, c'est juste des garanties. D'ailleurs, on ne parle pas de droit, mais de garantie pour absolument tout. Et sur les travailleurs, effectivement, qui sont censés représenter les autres, ben, en fait, c'est effectivement un décret ou une ordonnance qui va désigner éventuellement qui va représenter. Donc, on a l'État qui va pouvoir peut-être éventuellement dire « Toi, tu représenteras les travailleuses et les travailleurs. » Donc, c'est compliqué. Et donc, effectivement, c'est problématique. Et on sait déjà qu'il y a des montées de syndicats jaunes très, très fortes pour signer ces accords. Et je terminerai sur deux choses. Déjà, je voudrais, j'ai cru comprendre effectivement qu'il y avait les représentants de l'association Élite Taxi ici et je voulais aussi leur dire bravo, en profiter d'être là pour leur dire bravo parce que ça a permis vraiment de faire avancer le droit social, cette décision d'ailleurs, petite perso, j'en parle beaucoup dans ma thèse, donc merci pour ce que vous avez fait. Et pour les réglementations internationales, effectivement, il faut absolument agir au niveau international, même si c'est extrêmement compliqué, on voit déjà comment c'est au niveau européen. Donc l'idée, c'est peut-être de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'OIT et éventuellement aussi au niveau de l'OMC pour être une force de proposition. Et je vais juste terminer pour dire que la proposition de loi, et de manière générale, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, elle est aussi le fruit d'un travail de 2 ans avec un collectif qui s'appelle le collectif Pédale et Tais-toi, qui est un collectif essentiellement composé de coursiers. Et c'est un travail de 2 ans. Et je pense que tout travail, en fait, de manière générale, en droit social, mais sur les plateformes aussi en particulier, doit partir de la base des discussions avec les plateformes, que ce soit au niveau national, européen ou international, et donc il va falloir travailler sur ces collectifs-là. Voilà, merci. Rafa, tienes algo que es muy habitual en este parlamento, que es un minuto. Alors, on a encore une minute pour communiquer quelques idées. 3 questions rapides. Alors, sur 3 axes.
qu'on doit absolument ici fomenter pour avoir une lutte contre le modèle d'ubérisation, le modèle fiscal. Il faut que les entreprises, les multinationales, commencent à payer des impôts. Ensuite, deuxième point de vue, le point de vue du travail. Pas seulement à améliorer le régime du travail, mais le principal processus de cette ubérisation de l'économie, c'est qu'on s'attaque au principe de l'égalité. Les monopoles se croient au-dessus de la loi et pensent qu'ils peuvent réaliser une activité économique allant à l'encontre de la loi. Alors effectivement, ça, ce n'est pas possible de respecter la législation. Il n'est pas possible qu'il y ait des multinationales qui croient qu'elles peuvent ne pas respecter la législation. Alors pour ce qui est de consommation, il est important de reconnaître les équilibres contractuels, mais également la protection des consommateurs face aux multinationales comme étant un élément central. Et pas seulement pour les consommateurs, mais c'est également quelque chose qui vaut pour les PME et les indépendants en relation avec les grandes multinationales. Pour ce qui est maintenant des deux questions qui ont été posées en plus, un, il est impossible d'avoir démocratie s'il n'y a pas de reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels. Parce que lorsqu'on attaque ces droits-là, eh bien, les droits civils vont s'ouvrir et les droits politiques également. Et maintenant, nous avons vu un peu ce qu'il en est. C'est l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut comprendre que l'unification des droits économiques, sociaux et culturels avec les droits civils et politiques comme étant une base pour la résistance démocratique, ça c'est un élément central à l'heure actuelle pour la défense des droits de la classe populaire et pour pouvoir articuler un projet européen qui puisse porter le nom de démocratique. Parce que les processus auxquels nous assistons de régression démocratique, c'est quelque chose qui attaque ces droits économiques, culturels, etc. Mais on a justement cette logique pinochettiste, en quelque sorte. Et je finis sur ce qu'avait dit auparavant, la nécessité d'articuler tout cela autour d'un élément central. Il faut apprendre différentes expériences qui sont à l'œuvre, qui sont plurielles, qui sont diverses, et qui concernent les... Alors qu'ils se rendent sur le territoire, qui se rendent bien compte que l'ubérisation de l'économie veut dire qu'il y a des disputes autour de territoires dans tous les domaines de la vie. Et en plus, il faut également faire en sorte que les nouvelles technologies, la numérisation, soient un instrument de lutte. Pour mentionner un exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, les travailleurs de Telefonica étaient externalisés dans différentes vagues de contrats qui devaient être des indépendants. Ils sont entrés en grève. Ils n'avaient pas de mode d'organisation, ils devaient le faire via WhatsApp. Et via WhatsApp, ils ont pu organiser une grève qui s'est étendue à l'ensemble du territoire. Les organisations syndicales, ce qu'elles ont fait, c'est mettre le parapluie sur ces travailleurs et travailleurs qui s'organisaient. S'il y avait une caisse de résistance forte, une caisse de grève qui aurait pu leur permettre de tenir, ben cette grève aurait pu gagner. Mais ceci montre que quand on peut s'organiser, on peut à ce moment-là combiner le syndicalisme classique avec... avec notamment l'organisation classique historique qui avait été amenée pendant longtemps, avec des formes plus modernes, avec plus de souplesse, donc, parce que fondamentalement, ils doivent s'adapter à la vie, être capables de se battre, et se battre pour la vie, parce que c'est vraiment au centre de la lutte que nous menons contre l'ubérisation de l'économie. Merci. Rafa. Et bueno, tenemos que ir concluyendo. Nous devons conclure. Il est 18h30, donc Leïla va nous dire quelques mots en guise de conclusion. Un petit mot rapide de conclusion parce qu'il y a un autre événement en plus dans cette salle et je sais qu'ils sont derrière la porte en train de s'impatienter, de se demander si on finira vraiment à 18h30, mais il est 18h30, donc bon, bah, c'est raté. Bref. Je pense que, enfin, moi, je suis contente de cet événement. Je pense qu'on peut se féliciter. On est là autour de la table. Enfin, je regarde Idoya, mais c'est le cas de José aussi. On était les trois. Fernando, passez pas ton cas. Toi, t'étais déjà élu avant, mais nous, c'est notre premier mandat ici au Parlement européen. On a été élu avec la volonté. C'est vrai qu'on a fait campagne en disant que, quand on veut être des élus qui agissent dans l'intérêt des principaux concernés, décloisonner les institutions européennes de la société civile, casser les murs qui existent entre les institutions européennes qui sont souvent vues comme très éloignées et les principaux concernés qui sont ensuite concernés par les directives et les revendications. Je pense que la mission elle est réussie. Je voulais vous remercier beaucoup. Pour ça, merci à tous ceux donc, qui ont fait le déplacement pour nous faire part de la réalité de terrain, qui ont
fait bon, porter leur voix dans cette institution cloisonnée, vous l'avez vu hein, de façon très concrète au moment des accréditations, hein, qu'il faut, c'est pire que dans un aéroport, pour rentrer à l'intérieur avec le badge, enfin, vous êtes complètement scanné. Mais je pense que c'est le symbolique aussi de la façon dont ces institutions européennes sont fermées, hermétiques, et c'est difficile d'y rentrer, et vous l'avez fait, vous l'avez fait, vous l'avez fait. Donc pour ça, merci, merci beaucoup. Nous, ça va faciliter notre travail parlementaire. Hein. Comme le disait Idoya tout à l'heure, il y a besoin de la pression populaire. Il y a des enjeux. On a vu dans la rencontre avec la Commission ce matin où, si on les laisse faire comme ça, bah, tout le monde se renvoie la balle. Tout le monde se renvoie la balle. Chacun dit « c'est pas ma compétence, c'est pas l'autre ». Sauf que si, 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 il y a moyen, là, avec les directives dont on a parlé, de faire en sorte d'avoir faire évoluer la législation dans le sens de l'intérêt des travailleurs des plateformes. Mais ça, c'est politique. Ça, c'est politique. Il faut mettre la pression. Et nous, en tout cas, là, ce que vous avez fait, nous, ça va nous aider, nous, à mettre la pression ici au sein du Parlement européen. Merci aux équipes du Parlement européen, à Matteo et aux équipes de la COM, de la GUE. Merci aux équipes des cabinets, des différents cabinets parlementaires. Merci, alors, de notre côté, merci à Anne Dufresne et à Jean-Daniel Zamor de la plateforme transnationale des coursiers qui nous ont aidés à faire venir les coursiers des quatre coins du monde. Voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce qu'il faut faire court. Mais en tout cas, c'est le début d'un travail, ce qu'on a fait aujourd'hui, un travail qu'on va continuer avec, grâce à vous, avec vous, et puis dans l'objectif de construire une législation qui aille dans le sens de davantage de droits sociaux et de lutte, dans l'objectif de la perspective de la lutte contre ces multinationales qui voudraient s'accaparer toutes les dimensions de nos vies. Voilà. Merci et un grand merci aux interprètes, bien sûr, que j'ai oublié.